dire un gros bonjour à tout le monde dans un premier temps. Aujourd'hui, on va aborder les outils de collecte de traces. Les outils de collecte de traces, bien entendu, vous les connaissez parce qu'ils sont dans les examens du ministère, donc les examens de quatrième secondaire. Et je vous dirais que ce sont des outils qui sont très évolutifs, donc qui ont évolué depuis la première sortie, je pense que c'était 2017 peut-être autour de ça, les premières épreuves qui sont sorties. Et ensuite de ça, les épreuves eux-mêmes ont évolué, mais les outils de collecte de traces continuent d'évoluer de par leur formulation, des manifestations possibles et tout. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Catherine Paris avec nous. Catherine qui rédige des tâches complexes pour le ministère. Elle revoit les épreuves avec moi. On regarde beaucoup les outils de collecte de traces. Et ça m'a permis d'évoluer avec elle, comme je vous disais, au niveau des formulations. Et plus on avance là-dedans, plus on développe une expertise. On en a partagé beaucoup de cette expertise-là avec Mélanie Tremblay. Alors, on commence à être bon. Puis on commence tellement à être bon à la FGA que je vous dis que j'ai reçu plusieurs courriels du secteur jeune. Qui nous trouvait très, très, très bon de pouvoir évaluer les trois compétences à travers les tâches complexes. Il y a même une conseillère pédagogique à Québec qui travaille au niveau de l'évaluation qui regrettait de ne pas avoir été aussi loin dans le processus. Parce qu'on sait toute l'histoire qu'il y a eu au secteur jeune. Quand le programme est sorti, il y a eu beaucoup de tcha-tcha. Et le tcha-tcha a fait en sorte que ça donnait des épreuves qui sont axées principalement sur des situations d'application et quelques tâches complexes qui appellent, eux, des CD1, mais qui ne sont pas vues comme nous. Là. C'est des tâches encore dans lesquelles il y a beaucoup plus d'informations. Je dirais pas plus complexes, mais des fois beaucoup plus d'informations que l'élève doit gérer. Et bien entendu, eux, ils ont la chance d'évaluer en cours d'apprentissage avec les bulletins et tout. Donc, c'est pas la même réalité. Mais bref, il y a beaucoup de gens qui ont regardé nos épreuves, dont Jean-François Giroux, qui est le nouveau porteur de dossier à Québec, qui aime beaucoup notre façon d'évaluer les compétences. Et il a quand même enseigné depuis les 20 dernières années dans le renouveau pédagogique au secteur jeune. C'est quand même... intéressant de le mentionner. Donc, on va faire un petit retour. On va voir aussi rapidement les caractéristiques de la tâche complexe. Avoir les noms que je vois aujourd'hui, donc les participants qui sont là, vous êtes pas mal à l'aise avec la définition de la tâche complexe qui a été retenue à la FGA, parce que vous savez comme moi, il y a autant de définitions de tâches complexes que d'auteurs. Alors, à la FGA, on a pris une définition et c'est cette définition-là qui permet aux auteurs de produire des épreuves. Fait que je vais revenir sur la définition qui a été retenue. Petite diapo rapide sur la mesure du niveau de développement de compétences. Et ensuite de ça, à partir du point 4, Catherine va prendre la parole et elle va vous parler un peu de son processus, comment elle s'y prend à partir des critères d'évaluation pour définir les manifestations possibles, tout en gardant en tête les comportements observables, manifestations possibles, c'est ce que nous, on s'attend que l'élève va nous faire, mais le comportement observable, c'est ce que l'élève va nous faire. Alors, des fois, il faut juste s'assurer que dans l'outil de collecte de traces, on ait suffisamment d'informations pour voir ce que l'élève va nous faire, même quand il nous fait des solutions qui n'étaient pas anticipées. On va regarder l'évaluation, bien entendu, comme une fonction d'aide à l'apprentissage, puisqu'on est en salle de classe. Donc, Catherine va vous parler de comment elle s'y prend pour bâtir son outil de collecte de traces et définir des pistes de rétroaction. Et ensuite, on va aborder notre petite minute techno avec Louise qui a préparé un bel exercice qu'on peut faire justement en ligne sur GeoGebra. Aujourd'hui, pour les prochaines fois, je veux prendre un petit temps, un petit 10-15 minutes pour faire un retour sur l'atelier qu'on a vu auparavant. Donc, l'atelier de janvier,
qui était co-animée avec Myriam Lévesque. On a parlé du référentiel d'intervention en mathématiques, on a parlé de la fluidité, de la flexibilité, de la compréhension conceptuelle, et on a échangé sur des approches, des didactiques alternatives. On avait parlé, par exemple, de lorsqu'on veut aider l'élève à réaliser une tâche complexe, de modéliser le processus. Parce qu'on s'entend tous pour dire que les guides d'apprentissage sont un peu pauvres en stratégie de changement de registre, en stratégie de planification, de décodage d'informations. C'est plus le rôle de l'enseignant de faire ça, mais de l'autre côté, on n'a pas beaucoup de tâches complexes dans les cahiers pour pouvoir soutenir les élèves. On le reconnaît tous. Alors, on va essayer quand même de partager différentes façons de faire. Ce qui avait été mentionné lors du dernier atelier, c'est au niveau de la fluidité, on avait parlé de découper sur des petits cartons, donc de mettre sur des petits cartons les étapes de résolution, de placer ces cartons-là et d'emmener les élèves à établir, à faire des liens avant même de se lancer dans la production. Parce que rappelez-vous, l'analogie que j'avais faite, c'était que quand je vais sur YouTube puis que je regarde un prof expliquer comment résoudre un problème, bien, j'avais remarqué qu'il passe entre 50 % et 70 % de son temps à expliquer puis à mettre en lien les éléments de la tâche avant de se lancer dans la production mathématique de la solution. Donc, l'idée, moi, ce qui m'était venu en tête, c'est de dire, bien, si tout bon pédagogue passe plus de 50 % du temps à l'expliquer, peut-être que l'élève devrait passer 50 % du temps à structurer sa planification avant de se lancer dans la résolution. Et souvent, malheureusement, ce qu'on remarque, c'est que l'élève va se lancer dans la production, il va mettre des chiffres sur le papier, mais il a de la difficulté à établir les liens, et la production, ben, finalement, il revient nous voir et il faut qu'on y aille petit pas par petit pas. Donc, l'idée, c'est comment augmenter le niveau d'autonomie des élèves. OK. J'ai envoyé sur le forum quelques activités. Bon, c'est pas, je ne veux pas rentrer dans l'activité en tant que telle. J'ai fait exprès pour construire des activités qui étaient un peu relevées. Vous allez comprendre pourquoi. Catherine a créé l'activité 3. Ce sont trois tâches complexes qui sont assez complexes, sont plus relevées que les tâches qu'on va retrouver dans les cahiers. Mais c'est voulu parce que, en fait, ces tâches-là, ce sont des tâches pour lesquelles on ne s'attend pas à ce que l'élève va le résoudre entièrement ou de façon autonome, ou si oui, c'est à la fin d'un cours peut-être. Mais l'objectif, c'est plus de les utiliser, ces tâches-là, comme des catalyseurs pour modéliser comment on s'y prend pour résoudre un problème. Donc, ici, c'est une tâche du 41-51. On peut lire rapidement. Là, Samuel travaille dans une usine chimique, il a inhalé des vapeurs nocives, il a des maux de tête, nausées, étourdissements. 24 heures plus tard, il se rend à l'hôpital et là, on commence à prendre des échantillons puis à voir comment s'y prendre. J'ai complexifié la tâche en mettant des éléments. Donc, on lui propose deux traitements. Il y en a un qui est plus efficace que l'autre. Il y en a un qui coûte plus cher que l'autre. Et j'ai rajouté de l'information. Ces traitements sont payants, mais son assurance lui rembourse 80 % des frais. Donc, vous voyez, j'ai ajouté des couches d'informations pour modéliser avec l'élève la planification de la démarche. Donc, plus il y a de sous-tâches, plus ça va être complexe pour l'élève et plus je vais pouvoir intervenir auprès de l'élève. Et là, je termine en disant que, sachant que l'organisme réduit naturellement de façon exponentielle la concentration de poison, c'est quel traitement devrait-il choisir? L'idée, c'est de découper ce qu'on avait parlé la dernière fois, donc c'était de parler de la fluidité. Donc, on découpait sur des cartons les étapes, donc par exemple ici, définir toutes les relations entre les variables pour le calcul de la concentration, déterminer la règle algébrique de la fonction pour calculer la concentration de poison lors de l'arrivée à l'hôpital, déterminer la règle algébrique. Donc, voyez-vous, les étapes
sont mis sur des cartons et on les donne à l'élève et l'élève place ces cartons-là en ordre. Donc, il y a toute une phase d'organisation et ensuite, sous d'autres cartons, on donne des éléments de calcul. Donc, vous voyez, tantôt quand je disais que je ne m'attends pas à ce que l'élève fasse cette tâche-là de façon autonome, mais je m'en sers pour modéliser, pour qu'il y ait des images mentales puis qu'il y ait un processus analogue avant de se lancer lui-même dans la résolution de tâche. Donc, je lui donne les éléments et là, il doit associer pour chacune des étapes quels sont les calculs mathématiques associés. L'idée de ça, c'est d'amener l'élève à reconnaître les indices qu'on retrouve dans une tâche complexe. Donc, par exemple, dans cette tâche-là, j'ai encadré tous les éléments qui sont des indices pertinents à la résolution. Donc, ici, on en trouve 7 indices. Donc, de l'arrivée à l'hôpital avec une concentration initiale, à quoi sert la concentration initiale? Donc, ça va me permettre de questionner l'élève et de faire le lien avec ce qu'il a vu. Donc, dans ta fonction exponentielle, le coefficient qui est devant, qu'est-ce qu'il donne comme information? Bien, il me donne la valeur à zéro, donc la valeur initiale, l'ordonnée à l'origine, ou la valeur du moment t égale zéro. Donc, on a ces éléments-là. Donc, moi, je vais l'aider à faire les liens. Pour ce faire, bien, je vais mettre le focus sur les indices. Donc, ici, voyez-vous, j'ai encadré les indices sur lesquels je vais intervenir. Et moi, je prévois d'avoir en poche quelques exercices tirés du cahier qui font le lien entre ces éléments-là. Partage d'expérience. Ça, c'est ce qu'on avait parlé lors de l'atelier 2. Donc, on avait parlé de la fluidité, on avait parlé du découpage en carton et tout. Suite à cette présentation-là, Bianca, François et Annie, qui font du team teaching, sont entrés en contact avec moi, m'ont dit « Ah, ben, on pourrait-tu travailler ensemble puis regarder des activités? » Et pour le bien de tous, ils ont même expérimenté en classe. Alors, j'aimerais laisser la parole quelques instants à François. Je crois qu'Annie n'y est pas, mais à François. Et j'aimerais laisser aussi la parole à Bianca après François pour vous partager un peu leur expérience de cette approche-là de carton. À toi, François. Bon, donc, nous autres, on a fait deux expérimentations maintenant. La deuxième expérimentation, je vous en parlerai pas trop parce que j'ai comme pas vraiment vu les élèves puis j'ai pas eu le temps d'en parler avec Annie, qui est ma collègue. Mais la première expérimentation, dans le fond, c'est que j'ai fait une tâche. J'ai fait des petits cartons. Vous allez pouvoir voir. Je l'ai mis dans le chat. J'ai mis une photo. Je vais en mettre une deuxième. Dans le fond, il y en a une que c'est le résultat attendu, puis l'autre, vous pouvez voir la production des élèves. Dans le fond, c'était une tâche très complexe, là, dans le fond, il y a comme eu une avalanche, puis il y a quelqu'un qui est coincé en dessous, puis là, l'élève, il doit déterminer si la personne, si les secours vont arriver à temps. Donc, il y a une fonction pour modéliser le temps qui va survivre. Puis, il y a un temps pour que les secours arrivent. Puis, en tout cas, c'est très complexe. Donc, si vous voyez sur la photo, j'ai comme fait des cartons orange puis des cartons blancs. Donc, dans le fond, les cartons orange, c'était, si on veut, les grandes étapes, là, c'est-à-dire de préparer le terrain, là, de trouver les coordonnées qui manquaient sur le graphique, de déterminer combien de temps que la personne devrait survivre, de déterminer combien de temps que les secours prennent pour arriver, puis après ça, de vérifier bien, est-ce que la personne va survivre. Et ensuite, sur les cartons blancs, c'est des petites étapes, tu sais, bon, donc calculer telle coordonnée. Puis, dans le fond, l'expérimentation que ben, tu sais, ça peut être plus compliqué que je le pensais parce que, dans le fond, ce qui est arrivé, les cartons orange, les élèves, ils ont été capables de les placer comme ça. Ça a pris 2 minutes à peu près, puis les 4 cartons étaient placés dans l'ordre, puis il n'y avait pas de problème. Les cartons blancs, ça a vraiment été une autre paire de manches. Même que souvent, ce qui s'est passé,
c'est que les élèves, ils n'ont pas été capables, ils n'étaient généralement même pas capables de les placer. Il a fallu qu'ils fassent des bouts du problème pour pouvoir placer les cartons après. Ça fait que dans le fond, avec cette expérimentation-là, je me suis rendu compte avec une tâche qui est plus compliquée, là, qui a plus d'étapes. Dans le fond, c'est que le processus de planification, il ne peut pas se faire d'un coup. C'est comme si c'est un processus d'aller-retour, puis oui, il y a certaines étapes qu'on peut planifier d'avance, les grandes lignes, mais après ça, dans le détail particulier, il faut justement comme faire des allers-retours entre faire des bouts du problème, revenir à notre planification, faire d'autres petits bouts du problème, revenir à la planification. Ça fait que c'est une expérience à répéter, mais je pense que pour une première fois, une tâche moins complexe, ce serait déjà un bon départ. Puis peut-être des cartons plus explicites aussi, là, comme Martin il montrait, là, comme il y avait des calculs déjà faits sur les cartons. Moi, il n'y en avait pas. Là, c'était comme des termes plus génériques, puis il fallait que les élèves les fassent. Ceci étant dit, ça ne leur a pas nuit non plus, là, comme il y a une de mes deux équipes. Comme oui, ça, c'est le détail que je les fais toujours travailler en équipe là, quand je fais des problèmes comme ça. Puis, dans le fond, il y a une équipe qui écrivait leurs réponses sur les cartons pour chaque étape. Hein, comme puis ça, je pense que ça les a vraiment aidés à structurer. Donc, ça va être à refaire, c'est sûr. Merci beaucoup, François. C'est bien gentil. Effectivement, hein, je pense que d'être capable d'associer un peu plus en détail, c'est pour ça que je disais d'entrée de jeu, que les activités qui ont été déposées et qui sont partagées sur le site web, les trois tâches complexes sont vraiment complexes, très complexes. Mais ils servent justement à avoir beaucoup d'éléments à modéliser, à établir des liens. C'est un peu l'objectif. Parce que l'objectif ici n'étant pas de résoudre, c'est pas un concours. Ce qu'on veut, c'est outiller l'élève à être capable de décoder l'information, établir des liens. Et c'est une bonne façon de faire. Et je voulais remercier François pour son visuel avec les cartons orange, les cartons blancs. Approche intéressante. Le fait aussi que François travaille en team teaching avec Annie, c'est une autre approche qu'on pourrait même discuter lors d'un prochain atelier qui m'apparaît très gagnant. Alors, merci beaucoup, François. Je vais laisser la parole à Bianca. Bianca a travaillé avec des élèves, je pense, de troisième secondaire. Oui, bonjour. Donc, nous, on a travaillé, ben, personnellement, j'ai travaillé avec des élèves du troisième secondaire, mais je ne suis pas allée dans les cartons parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, moi et Martin. Et moi, ma difficulté que j'ai avec mes élèves de ce temps-ci, c'était de passer d'un registre à un autre. Des fois, il y avait une table des valeurs, ils sont capables de le faire, mais si je mets le texte du texte au lieu ou une règle, donc j'avais beaucoup de problèmes de passer d'un registre à l'autre. Alors, je me suis attardée à travailler des petits problèmes et mettre, par exemple, le problème juste en texte ou le mettre avec une table des valeurs ou le mettre avec un graphique ou le mettre. Donc, on a fait plusieurs versions de problèmes écrits, puis c'est ça que j'ai expérimenté cette semaine avec des élèves qui ont des grandes difficultés. Et là, ce que j'ai pu voir, c'est que c'est vraiment au niveau du texte. Donc, de décoder le texte, c'était très difficile. On a travaillé fort. Fait que, est-ce que j'ai des grosses conclusions? Non, parce que c'était la première fois. C'était un premier sous-groupe. Puis, je l'ai fait hier matin. Donc, je n'ai pas revu mes élèves. Est-ce qu'il va y avoir un transfert qui va se faire dans leur volume et dans d'autres choses? Je ne suis pas encore capable de répondre à cette question-là. Donc, c'est ça. Nous, on a fait les activités, on les a partagées avec Martin. On s'était dit, on commence avec une tâche qui est très, très faible au niveau de la complexité, puis on augmentait en complexifiant la tâche, puis en changeant les registres. Là. Donc, ça va être des documents qui vont être partagés avec plaisir. Mais les cartons, je l'avais mis un peu de côté, là, étant donné la faiblesse de mes élèves. Ils n'étaient pas rendus là dans leurs besoins. Fait que j'ai commencé un petit peu plus bas.
Merci beaucoup, Bianca. Mais en fait, un peu plus bas, c'est tu as utilisé un autre levier. Parce que tu te rappelles, lors du dernier atelier, on faisait référence au référentiel d'intervention en maths, dans lequel il y avait trois leviers. Donc, il y avait le levier de la fluidité, pour lequel on avait défini l'idée de l'approche avec les cartons. Mais il y avait aussi la compréhension conceptuelle, et qui, elle, faisait beaucoup référence aux stratégies de lecture, aux changements de registre. Alors, d'avoir expérimenté la présentation de la même tâche sous différents registres, je trouve que c'est intéressant. Puis ça t'a permis quand même de voir que, au-delà des registres, c'est d'établir des stratégies de lecture, de la lecture au niveau des énoncés mathématiques. Sujet qui sera fortement abordé lors du cinquième atelier en avril avec Karine, Jacques, Vanessa Boily, qui est conseillère pédagogique en français, et moi-même. On va parler des stratégies de lecture. Donc, on pourra revenir sur le sujet à ce moment-là. Merci beaucoup, Bianca. Rapidement, je vous fais ça rapidement. Je veux laisser la parole à Catherine d'ici 5 minutes. Donc, la tâche complexe comme instrument de mesure idéal pour faciliter la rétroaction sur le développement de compétences. Rappelez-vous qu'à la FGA, on a choisi 4 caractéristiques. Hein, donc, le degré d'ouverture, le nombre de savoirs mobilisés, le nombre de sous-tâches et le nombre de changements de registre, qui sont 4 leviers très intéressants pour concevoir des tâches complexes. Nous, on se limite à ces éléments-là. Pourquoi on parle de mesures de niveau de développement de compétences? Bien, en fait, quand on crée des tâches complexes, donc, admettons, j'ai un élève qui travaille dans un cours de 2 crédits, donc une 50aine d'heures. Donc, je peux, après 10 heures d'apprentissage, prévoir une première tâche complexe dans laquelle je vais avoir peu de sous-tâches, peu d'ouverture, quelques savoirs à mobiliser et peut-être un changement de registre, mais somme toute, assez peu. Ensuite de ça, rendu à la 17e heure, ben, je peux lui donner une deuxième tâche complexe qui, elle, va être un peu plus grand. Donc, on voit les diagrammes radar montrent explicite la complexité. Et après 31 heures, bien là, je peux lui donner une tâche un peu plus complexe pour voir comment l'évolution de la production des tâches, donc de la réalisation des tâches complexes, se fait. C'est une façon indirecte de mesurer son niveau de développement de compétences. Il y a plusieurs façons. Hein, si vous allez lire le guide, le cadre de référence en évaluation du secteur jeune, c'est un magnifique ouvrage dans lequel vous allez retrouver des dizaines de façons de mesurer le niveau de développement de compétences des élèves. Perso, j'aime bien celle-là parce que il y a une analogie à faire avec l'épreuve. Parce que dans l'épreuve, il y a 3 tâches complexes. Donc, l'élève, déjà, sait qu'il va avoir 3 tâches et avec des complexités différentes. Donc, ça permet de modéliser aussi la structure avec l'élève. Donc, c'est une tâche complexe que j'ai réalisée juste pour illustrer un peu à quoi ça ressemble une tâche complexe. Ici, j'ai pris un cours de géométrie de 4e secondaire. C'est des ingénieurs qui sont en train de travailler sur des tentes pour l'exploration sur Mars, sujet que je trouve toujours intéressant, que je lis toujours sur le sujet. C'est des espèces de tentes qui se montent toutes seules, là, sont toutes pliées, puis boum, quand ils sont déployés sur Mars, ils se déploient. Mais ça prend quand même un système d'aération à l'intérieur de ces tentes-là. Et là, l'élève doit déterminer en fonction du débit d'air, donc combien ça va prendre de consommation d'électricité pour aérer ce type de tente-là. Et on lui donne la tente. Donc, la tente, elle est donnée sous la forme d'un dessin qui n'est pas à l'échelle. Et on lui donne de l'information sous la tente, donc de l'information technique. Donc, l'élève va devoir ici utiliser différents registres. On va voir rapidement pourquoi ce type de tâche-là est intéressante dans le développement de compétences de l'élève. C'est que dans un premier temps, on va essayer de travailler sur la structure, le plan de résolution. Donc, on cherche la consommation d'électricité par heure d'une tente. Mais pour ce faire, il faut que l'élève établisse un premier lien entre l'énergie,
la consommation d'électricité et le volume de l'attente. Mais pour déterminer le volume de l'attente, il va falloir qu'ils trouvent un autre lien qui est de calculer l'air de la base et calculer la hauteur de l'attente. Un coup que ces éléments-là sont faits, ça lui permet de revenir, donc faire son retour, donc à rebours, il va aller chercher le volume de l'attente et à rebours, on va pouvoir aller calculer la consommation d'électricité. Ça, c'est ce qu'on veut que l'élève développe. Donc ça, c'est notre plan de résolution, puis il va falloir aider l'élève à bâtir ce plan-là. Donc, on va aller voir les trois liens qui sont à faire. Donc ici, voyez-vous, quand on parle de la tâche complexe, on amène des changements de registre. Donc on part de la table de valeur vers un graphique. À partir du graphique, l'élève est capable de déterminer une règle algébrique. Lien numéro 2. À partir du dessin, on peut découper par une tranche verticale notre triangle rectangle. Et avec une tranche de la base, on a un triangle isocèle. À partir de ces éléments-là, bien, l'élève, il y a beaucoup d'ouverture. Il peut utiliser les triangles semblables pour déterminer les mesures manquantes de la trigonométrie, Pythagore, ou les relations métriques dans le triangle rectangle pour aller chercher les mesures manquantes. Bien entendu, hein, on parle de mobilisation de savoir et de changement de registre. Encore une fois, changement de registre, mobilisation de savoir pour aller chercher la hauteur de l'attente. Et ensuite, on fait le retour. Donc, le calcul de l'air, le calcul de la hauteur permet d'aller chercher le volume, la consommation d'électricité. Donc, l'organisation de ces sous-tâches-là fait en sorte qu'on a une belle tâche complexe. Bien entendu, ces tâches complexes-là sont à vous. Aussitôt qu'ils sont sur le site, on vous les donne. Si vous voulez les prendre, les reformuler, faites-vous plaisir. Moi, je donne tout ce que je produis. Donc, vous pouvez les prendre, les changer, les reformuler, les simplifier ou si vous voulez les exploiter avec les élèves, avec l'approche de Bianca. Donc, de présenter, hein, moi, j'ai présenté l'attente, mais on peut présenter l'attente avec aussi le découpage des autres registres. Donc, on peut prendre cette tâche-là, en faire une tâche simple, puis on peut ôter des éléments, en faire une intermédiaire, puis une plus complexe. En fait, l'idée de ça, c'est d'accompagner l'élève puis de le soutenir afin de décoder l'information, d'établir des liens, d'organiser, de structurer les liens entre eux, de mettre en œuvre un plan de résolution puis de valider ses actions. Mais les deux dernières sont minimes comparativement aux interventions qu'on va faire pour les trois premiers éléments. À partir de là, on a un instrument de mesure, on a nos tâches complexes, il faut qu'on construise des outils de collecte de traces. Et à partir des outils de collecte de traces, il faut qu'on prévoie des pistes de rétro pour aider nos élèves. Donc, à toi, Catherine. D'accord. Alors, bonjour. Donc, comme disait Martin, là, l'idée, c'est d'utiliser ces tâches-là à l'aide de petites collectes de traces pour faire une rétroaction aux adultes. Puis, bien, pour bien les faire, il faut bien discerner là, les outils de collecte de traces et les critères d'évaluation qu'on va utiliser avec nos adultes pour être en mesure de bien leur expliquer puis qu'ils comprennent la façon qu'ils vont être évalués. Ce que je vous propose, là, c'est de faire un retour sur les critères d'évaluation, la façon qu'ils sont rédigés là, dans les évaluations, puis le vocabulaire qu'on utilise là, actuellement dans celle-ci. Donc, si on prend le critère d'évaluation 1.1, c'est la manifestation oralement ou par écrit d'une compréhension adéquate de la situation problème. Donc, les manifestations possibles, celles qui sont attendues, vraiment, on veut cerner la capacité de l'adulte là, à cerner les éléments recherchés en s'appuyant sur l'énoncé de la question, puis aussi à dégager les renseignements pertinents en tenant compte des contraintes là, nécessaires au traitement mathématique de la situation. Donc, on veut vérifier s'il saisit ce qu'il a à faire ou à trouver. Donc, le vocabulaire saisi, là, c'est vraiment pour vérifier là, s'il a compris ce qu'il devait chercher. Puis, est-ce qu'il tient compte aussi des données pertinentes et des contraintes? Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on formule là, nos manifestations. Évidemment, là, dans,
sur les copies des élèves, bien, il ne nous a pas écrit « je cherche tel élément, voici les informations que j'ai retenues et qui sont importantes ». Il va nous laisser plutôt des petites traces. Par exemple, il peut nous faire un graphique et mettre en pointillé une droite là, pour illustrer qu'il va faire une extrapolation. Donc, on comprend là, qu'il a saisi l'élément important qu'il devait rechercher. Il a peut-être mis un point d'interrogation à côté d'une mesure manquante. Il devait trouver de l'argent. Il nous a mis des points d'interrogation, il nous a surligné ça. Donc, c'est vraiment à la manière du petit poucet, lui, il nous laisse des indices. Puis nous, bien, on doit rechercher ces éléments-là dans ses traces. Au niveau du critère 1.2, la mobilisation de stratégies et de savoirs mathématiques appropriés à la situation problème. Ce critère-là, il mesure la capacité de l'adulte à utiliser des stratégies pertinentes pour sélectionner des savoirs adéquats dans le but de résoudre la situation problème. Nous, on vise vraiment les changements de registre. Puis, c'est vraiment l'utilisation de stratégies pertinentes et dans le but de sélectionner les savoirs adéquats. Donc, la façon qu'on rédige là, les manifestations là, dans les nouvelles épreuves, c'est souvent de cette façon-là. Là, on cible la mobilisation de stratégies en vue de passer, dépendamment de la situation proposée, là, d'un schéma ou de données littérales ou d'une table de valeur à la règle algébrique. Par exemple, l'élève peut avoir produit une esquisse. Donc, c'est vraiment des choses qu'il a faites. Ce sont des exemples. Il n'a pas nécessairement fait tous ces éléments-là. Donc, il peut avoir produit une esquisse ou un graphique en indiquant là, les éléments pertinents. Il peut avoir étudié la variation des écarts dans la table de valeur. Puis tout ça dans le but d'arriver à transposer ces éléments-là du contexte vers la règle pertinente là, pour résoudre la situation. Donc, on a la mobilisation de stratégies pertinentes jusqu'à la transposition vers le savoir pertinent. Donc, dans les comportements observables, bien, c'est vraiment, là, on veut illustrer le passage là, en deux registres là, de représentation. Donc, comme on le voit sur l'image, bien, si on a un quadrilatère, on veut calculer la surface de la figure, bien, est-ce que l'élève est capable de diviser sa figure en triangle, puis d'associer certains éléments, puis de décider finalement qu'il va choisir un rapport trigonométrique là, pour déterminer certaines valeurs de côté, puis arriver à faire le calcul de l'aire de la figure. Une table de valeur, bien, il va calculer ses écarts, puis il va choisir la règle algébrique adéquate là, en lien avec ces écarts-là. Même chose en statistique, il peut avoir deux caractères dans un tableau, puis faire un nuage de points, puis arriver à déterminer là, une droite de régression là, en lien avec ça. Donc, on illustre vraiment là, le changement en deux registres. Donc, vraiment, là, l'adulte, là, il mobilise différentes stratégies pour passer des mots, il va aller à une grille, puis il va réussir à aller chercher sa règle. Donc, il y a vraiment différentes façons là, de passer d'un registre à un autre au niveau du critère 1.2. Le critère 2.2, donc, c'est la mise en œuvre convenable là, d'un raisonnement mathématique adapté à la situation. Donc, ce critère-là, il mesure la capacité de l'adulte là, à présenter une démarche cohérente tout en faisant appel aux savoirs et aux habiletés appropriées. Donc, ce qu'on veut vérifier, est-ce que l'élève est capable de dégager là, les grandes étapes puis leurs sous-étapes en mobilisant les savoirs. Donc, est-ce que l'élève, dans les manifestations possibles, est-ce qu'il reconnaît le concept clé qui va lui permettre d'arriver à la conclusion? Donc, par exemple, est-ce qu'il reconnaît que l'extrapolation à l'aide d'un modèle fonctionnel là, lui permettrait d'arriver à la conclusion? Est-ce qu'il va utiliser la règle, par exemple, d'une fonction exponentielle en vue de modéliser la situation? Puis, est-ce qu'il va déduire les paramètres de sa règle? Est-ce qu'il va substituer des valeurs dans la règle pour arriver? Donc, c'est vraiment, il dégage chacune des étapes.
Puis dans les comportements observables, mais c'est similaire, là. Dans le fond, ça se peut que notre élève n'ait pas pris le même chemin que nous, on avait anticipé, mais est-ce qu'il a identifié le concept clé pour résoudre la tâche? Est-ce qu'il a choisi la catégorie de savoir à mobiliser? Dans le fond, est-ce qu'il a organisé une suite de résultats là, qui va lui permettre de tirer une conclusion? Au niveau du critère 2.1, c'est l'utilisation correcte des concepts et des processus mathématiques. Donc, ce critère-là, il mesure la capacité de l'adulte à appliquer de façon appropriée les savoirs et les habiletés mathématiques nécessaires à la résolution du problème. Donc, on veut vraiment vérifier si l'adulte utilise correctement. Donc, c'est vraiment comme ça souvent qu'on le formule, le savoir qu'il avait mobilisé dans le 2.2 pour déterminer sa règle, un paramètre, une hauteur, un segment. Puis, est-ce qu'il a réussi à trouver la valeur exacte dans la deuxième partie du 2.1? Donc, concrètement, là, est-ce que, dans le fond, si on prend l'adulte cherche à déterminer la règle là, de la fonction du second degré, il y a un sommet, il y a un point, mais est-ce qu'il est en mesure de substituer correctement là, les valeurs du sommet et du point dans la forme canonique de la règle? On est vraiment dans la partie là, 2.1a, là, il utilise correctement le savoir, il comprend le concept. Puis après ça, quand il isole son paramètre A, bien, est-ce qu'il le fait correctement, sans faire d'erreur? Pour le 2.3, bien ici, on le sait, là, c'est la structuration adéquate là, des étapes d'une démarche pertinente. Donc, on veut vérifier si l'élève présente, ses étapes sont présentées clairement, puis s'il respecte les notations et les conventions mathématiques. Souvent, on peut même lui proposer une façon de présenter ses démarches. Puis, pour la partie B, l'élève doit aussi présenter une réponse qui est cohérente avec sa démarche. Puis la réponse est formulée en fonction du contexte. Puis maintenant, on ajoute souvent, elle doit faire référence à, puis on précise là, en fonction de la question qui était posée, à certains éléments là, pertinents là, qui est en lien avec la question. Donc, on s'attend vraiment à ce qu'il fasse référence là, à des éléments en lien avec la question. Donc, il doit nous présenter, là, dans ses comportements observables, on doit être capable de voir une introduction, un dénouement, puis une conclusion là, en lien avec la question de notre adulte. Francis a une question, Mme Perry. Comment évaluer oralement la compétence 1.1? Bien, en apprentissage, on peut questionner notre adulte, lui demander de s'expliquer. C'est sûr qu'en évaluation, on ne peut pas. Donc, c'est justement l'occasion de faire des rétroactions avec notre adulte à ce moment-là, je pense. Bien, si tu me permets, Catherine, je pourrais aussi ajouter que pour cette partie-là, c'est Francis qui posait la question. C'est très intéressant de travailler le volet oral de la compréhension du problème. Moi, je pense que dès le départ, quand on donne des premières tâches complexes aux élèves, je pense qu'il faut essayer de les emmener à verbaliser le plus possible qu'est-ce qui doit être fait. Ça me rappelle tout le temps le film Philadelphia avec Tom Hanks qui est un avocat qui a contracté le sida, qui est défendu par un avocat qui est Denzel Washington. Puis Denzel Washington, il dit tout le temps aux spécialistes, « Expliquez-moi comme si j'avais 8 ans. Hein? » Fait que ça force le spécialiste à expliquer avec des mots simples et tout. Moi, je pense que d'emmener les élèves à nous dire oralement, « Comment tu t'y prendrais pour résoudre le problème? » Qu'est-ce qu'il faut que tu trouves? Qu'est-ce qui, dans la tâche, va te permettre de trouver l'élément manquant? Qu'est-ce qui, dans la tâche, va te permettre de choisir la bonne fonction pour faire ton extrapolation? Donc, d'essayer de forcer l'élève à expliquer, parce que c'est une action cognitive très intéressante, d'être capable d'exprimer avec des mots simples
des actions qui sont abstraites, je pense qu'il faut le développer le plus rapidement possible. Donc, oui, la compréhension orale d'un problème, faites-le rapidement. Faites-le rapidement, parce que vous allez voir que plus on attend, plus l'élève vient nous voir avec « Bien, comment tu résous ça? Je ne suis pas capable de trouver X, ou je ne suis pas capable de trouver la pente, je ne suis pas capable. » Il va focusser sur les savoirs essentiels, ce qui est logique. Le guide d'apprentissage, j'en ai plein. Mais il faut revenir. Sur « Explicite-moi, explique-moi comment tu vas t'y prendre. C'est quoi le chemin que tu vas prendre pour résoudre ton problème? C'est quoi les grandes lignes? » Faites-le parler. L'entrevue, on en parle souvent de l'entrevue en éducation. On s'assoit là, un à un avec l'élève, puis on lui demande, prends ce problème-là, lis-le, explique-le-moi. Prends cette table de valeurs-là, comment tu ferais pour construire un problème à partir de cette table de valeurs-là? Faut provoquer par discussion verbale avec l'élève, ça peut être très intéressant. Et François, une question? Il y avait Annie Jordan qui justement intervient en disant qu'il faut que ça soit bien préparé. Elle a tout à fait raison. Hein? On ne se lance pas là-dedans en improvisation mixte. Hein? Il faut que ça soit fait. Prenez le temps. Mais comme on disait tantôt, dans une planification de l'évaluation, on prend des temps. Donc, après la 10e heure, la 17e heure, la 31e heure, on prend des temps pour passer une petite entrevue à l'élève pour voir où est-ce qu'il en est par rapport à son développement de compétences. Oui, bien, moi, c'est ça. Je rajouterais à ce que tu dis, Martin. Là, toi, tu parles beaucoup avant que l'élève fasse, tu sais, explicite-moi comment tu comprends. Moi, j'aime beaucoup faire après que l'élève a fait aussi. Tout le temps, comme quand je les place en tâches complexes, à toutes les fois que je repasse puis que je vois qu'ils ont avancé, bon, tu sais, évidemment, pas à toutes les fois, s'ils sont en train de produire, je ne les arrête pas nécessairement. Mais toujours les questionner. OK, comment tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Est-ce que tu es sûr que c'est correct? Est-ce que c'est utile? Est-ce que, tu sais, de toujours demander à l'élève pourquoi il a fait ça. Puis aussi, une fois qu'il a terminé, ils ont terminé, mes élèves, je veux toujours qu'ils me récapitulent. OK, comment tu as fait ton problème? Pourquoi tu l'as résolu comme ça? Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Puis je leur explicite aussi après ça. Bon, là, on est en apprentissage, donc je leur explicite c'est quoi les passages importants et pourquoi je leur ai fait faire cette tâche-là en particulier. Mais c'est ça, je trouve ça super important de les faire expliciter, comme pas juste avant qu'est-ce qu'ils vont faire, mais après qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, puis ça fait qu'oralement, comme ça, moi, je trouve que c'est une mine d'or. Je n'ai pas d'outils formels de collecte de traces, mais on collecte plein d'informations comme ça. Oui, tout à fait. Puis il y a les mots aussi. Hein, il y a les mots. Moi, je le vois avec mon fils qui est en deuxième secondaire. C'est pas un grand bavard hein, d'avance. Et quand il se met à parler ou à expliquer des choses, la recherche de mots, c'est tellement important. C'est tout le temps l'affaire, la patente, le truc, là, pas capable de mettre les mots. Puis là, j'ai mon petit dernier qui est en secondaire 1, puis qui m'écrivait hier, puis il me disait « Papa, j'ai de la misère avec les angles. Je suis pas capable de trouver là, l'angle alterne, interne. » Puis quand je lui posais des questions, ben c'est qu'il ne connaît pas les définitions, simplement. C'est juste ça. C'est qu'il ne comprend pas. Il ne connaît pas les définitions. Alors, on va passer du temps à apprendre les définitions. On va pouvoir y aller. Mais si je n'avais pas eu cette discussion-là, j'aurais peut-être attendu qu'il fasse son premier formatif, qu'il soit en échec, puis que j'intervienne. Donc, il faut essayer d'y aller à différents moments. Donc, autant avant, pendant qu'après, c'est ça. C'est d'amener les élèves à mettre des mots puis à bien structurer leur raisonnement à l'oral autant qu'à l'écrit. C'est hyper important. Faut comprendre que, à quelque part, la mathématique, c'est une langue seconde. Là. C'est un langage qui est propre à la discipline. Donc, structurer ces éléments-là, c'est décoder les éléments de langage. Apprendre l'allemand ou une autre langue, là c'est décoder l'information. À toi, Catherine. Alors, pour la suite, mais maintenant qu'on
qu'on est tous au même niveau là, au niveau des critères d'évaluation, mais ce qui est intéressant de bien les connaître, c'est qu'on peut bien les expliquer à notre adulte. Donc, quand on lui présente, des fois, c'est plus abstrait pour lui, mais à l'aide d'une tâche complexe et avec une rétroaction, bien, c'est facile, c'est plus clair de lui expliquer puis de faire une rétroaction sur la manière qu'il va être évalué. Donc, la tâche qui est présentée ici, je ne sais pas s'il y en a qui ont eu le temps d'en prendre connaissance, mais vous pourriez prendre le temps d'en prendre connaissance. Mais je pourrais vous présenter le corrigé et les manifestations pour chacun des critères en lien avec cette tâche-là. Puis, ça serait l'occasion après ça de regarder quel genre de rétroaction là, on peut faire en apprentissage. Parce que ce qui est intéressant, c'est que là, en évaluation, on ne peut pas faire de rétroaction avec nos outils de collecte de traces, mais en apprentissage, c'est l'occasion là, de vraiment expliquer à l'élève la façon qu'on va être évalué. Ce que je vous propose, c'est de prendre un petit temps pour prendre connaissance de la tâche, puis de regarder un petit peu comment vous feriez la tâche, les critères, les manifestations possibles. Puis après ça, on va la regarder ensemble. Je vais vous proposer mon corrigé puis les manifestations. On pourra intervenir puis échanger là-dessus. Donc, je peux peut-être vous laisser quelques minutes, à moins que vous ayez pris le temps de le faire. Là. Donc, on se laisse 5 minutes? Bon, on peut se laisser un petit 5 minutes, regardez. Je vous dirais, essayez, vous rappelez-vous, au dernier atelier, on a parlé de la flexibilité. Donc, mettez-vous une petite contrainte supplémentaire. Si je devais accompagner mon élève à faire cette tâche-là, combien de solutions je vois là-dedans? Combien de chemins peut-il emprunter? Combien de stratégies peut-il utiliser pour changer, faire ces changements de registre? Essayez en vrac de sortir quelques idées et on va échanger sur ça dans 4-5 minutes. On se donne un petit 5 minutes pour la lire, se l'approprier, parce que c'est quand même une tâche complexe. Fait que c'est une tâche de niveau 42-71, je ne sais pas si c'est précisé. Là. Ouais. Donc, est-ce que tout le monde a eu le temps de se faire une petite idée là, sur la tâche? Vos impressions, est-ce que c'est une oui. tâche complexe? Suffisamment complexe? Trop complexe? Bon, moi, je vais répondre que ça va dépendre pour quel élève. Les plus forts risquent de sortir de ça assez facilement, là. Mais les plus faibles, ils vont avoir de la difficulté avec ça, c'est certain. Puis au niveau de la balance, est-ce qu'elle est, elle est bien structurée? Donc, changement de registre, sous-tâche, nombre de savoirs. Oui, c'est assez équilibré, mais c'est pas extrêmement complexe là, tant qu'à moi, mais c'est pas trop simple pour que ce soit inutile de donner ça à un élève, là, bien au contraire. Là, je pense que on est dans le niveau de ce qu'on s'attendrait d'un élève 42-71. Là. Non, c'est une belle tâche. Catherine, au niveau des différents chemins à emprunter, mais grosso modo, François, vas-y donc, tiens, lance-toi donc, François, grosso modo, les grandes lignes de la démarche. Ben moi, j'ai vérifié c'était quoi le type de variation dans le tableau. Mm-hmm. J'ai été chercher la règle pour ça. Puis j'ai vu que les masques qui se vendaient à 6,75 chacun. Donc ça, c'est on peut modéliser ça avec une fonction linéaire. Puis après ça, j'ai mis les deux règles égales. Puis je me suis pas rendu à la solution. On veut juste regarder les grandes lignes. Puis selon toi, en fonction des critères et des manifestations que Catherine nous a partagées, as-tu suffisamment de jus pour pouvoir produire un outil de collecte de traces avec ça? D'après moi, oui, là. Donc, il y a quand même, au niveau des changements de registre, il y a quand même du littéral à la fonction linéaire, qui est quand même basique, on s'entend, pour un 42-71. La table de valeurs, elle donne un petit peu plus de fil, un petit peu plus d'éléments
pour travailler. Il y a aussi les contraintes, donc le coût mensuel. Le coût mensuel évolue ensuite tel que présenté dans le tableau ici, jusqu'à atteindre 25 900. Donc, il y a des contraintes auxquelles il va falloir tenir compte. D'un point de vue du critère 2.2, on a aussi beaucoup d'éléments pour travailler. Donc, on va aller voir le plan de Catherine. Alors, la démarche que je vais proposer, moi aussi, c'est un peu celle similaire à François. Donc, c'est une démarche qui est algébrique. On aurait pu passer par d'autres chemins qui sont possibles. Moi, je vais passer là, par une résolution d'un système d'équations là, qui va être composé d'une équation du premier degré et du second degré. Donc, dans le fond, là, ce qu'il faut saisir dans le problème au niveau du critère 1.1, c'est que on doit déterminer le nombre de masses pour réaliser un profit. Donc, saisir que le profit, c'est lorsque les ventes, c'est plus grand que les coûts. Déjà là, c'est quelque chose qu'il faut décortiquer. Pour ça, ben, il faut déterminer lorsque les ventes sont égales aux coûts. Donc, résoudre un système d'équations, ça serait pertinent. Puis pour pouvoir résoudre un système d'équations, ben, il faut en bâtir un. Donc, il faut modéliser deux équations. Il faut déterminer quel type de fonction là, derrière ces équations-là. Donc, il va falloir déterminer les règles. Donc, on a vraiment nos étapes là, de déduction là, qui s'imbriquent ici. Parce que je vais vous présenter rapidement là, le corrigé que j'ai produit, qui peut être intéressant à présenter à l'élève aussi parce que ça lui montre là, toutes les possibilités. C'est sûr que moi, il est très ordonné. Je ne pense pas qu'un élève réussisse à faire quelque chose d'aussi clair, mais l'élève aurait pu passer par la représentation pour se représenter la situation, là, étudier la variation des écarts là, dans la table de valeur pour le coût de production ou se faire une représentation graphique. Il aurait même pu en faire une là, pour la valeur des ventes. Ou simplement associer là, que le 6,75 par masque, c'est un taux de variation. Puis arriver à se représenter ça en système d'équations. Donc, c'est un peu plus complexe. Bâtir son système d'équations, déterminer ses règles. Puis finalement, là, dans la diapositive suivante, résoudre là, ici par comparaison, puis en mobilisant là, la formule quadratique pour arriver à déterminer là, l'intervalle qui permet là, de réaliser des profits tout en respectant le 5 000 $, là, une contrainte qui était dans le 5 000 masses produits et vendus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans le fond une partie du corrigé pour rédiger les manifestations pour la compétence 1, là, le critère 1.1, 1.2. Donc, on voit ici là, dans la représentation de la situation, on est vraiment dans le critère 1.2. On touche aussi un petit peu au 1.1. Donc, on est dans les changements de registre. Donc, on mobilise, on étudie la variation des écarts, puis on arrive à sélectionner que c'est une fonction du deuxième degré. Donc, on a une stratégie, puis on a un transfert, on transpose vers la fonction du second degré. Puis ici, bien, on transpose, on mobilise une petite stratégie, on associe 6,75 par masque au taux de variation, puis on aurait même pu faire l'étude de la table de valeur ou se faire un graphique pour se le représenter, puis on arrive à dire que bon, bien, c'est une fonction du premier degré. Donc, on voit vraiment les traces qui auraient pu être écrites. Puis, on identifie, dans le fond, en identifiant les variables, l'élève, là, ce qu'il nous dit, c'est qu'il a saisi là, qu'il devait mettre en relation le nombre de masses produites puis vendues. Fait que ça met là, des petites traces pour le critère 1.1 qui nous indique qu'il a compris là, ce qu'il devait mettre en relation, qu'il a saisi un peu le sens de la question. On met en relation la valeur autant des masses vendues et produites. Il nous identifie que le profit, c'est les ventes lorsqu'elles sont plus grandes que les coûts.
Donc, on est dans le critère 1.1 ici. Puis, on commence les étapes. On va déterminer, on va modéliser par un système d'équations. On a aussi identifié la contrainte de 5000 masques sur le graphique. Puis, on est aussi en critère 1.2 en se représentant là, la situation. Là, on a choisi un système d'équations. Donc, on a identifié tout le monde dans, dans le même système, les deux équations. Au niveau du critère 1.1, bien, on va vraiment réutiliser les termes là, qu'on a vus tantôt. Donc, ça va être, est-ce que l'élève a saisi que l'on cherche à déterminer ici le nombre de masques qui devraient être produits et vendus chaque mois pour réaliser un profit? Est-ce qu'il tient compte que les masques se vendent au prix de 6,75 chacun et que chaque mois, tous les masques produits sont vendus? Donc, c'était vraiment les contraintes qui étaient données dans la tâche. Est-ce qu'il tient compte que les coûts de production mensuels sont à leur minimum lorsque chaque masque, lorsqu'aucun masque n'est produit? Est-ce qu'il tient compte, donc on tient compte de chacun des éléments là, qui étaient donnés dans la situation? Puis, au niveau du critère 1.2, on est en fonction de cette tâche-là, est-ce qu'il mobilise des stratégies en vue de passer? On avait des données littérales, on parlait du minimum et de la table de valeur vers des règles algébriques. Est-ce qu'il produit une esquisse de la situation et indique les éléments pertinents? Ce sont vraiment des exemples. C'est intéressant de les présenter à l'adulte aussi parce que là, bien, il verrait le type de choses qu'il aurait pu faire. Ou est-ce qu'il a étudié les variations dans la table de valeur? Ce qui a associé des éléments constituant les règles algébriques aux données du contexte, par exemple, ce qui a associé que 6,75 par masse, que c'est un taux de variation. Puis, est-ce qu'il a fait la transposition là, de ces informations-là vers un système d'équations composé d'une équation du premier degré et une équation du second degré? Donc, il a identifié le type, puis que c'était un système qu'il fallait qu'il bâtisse. Pour la compétence 2, si on poursuit avec le corrigé, on avait vraiment les grandes étapes dans le corrigé là, qui étaient en gras. Donc, on modélise le système d'équations, donc il faut déterminer chacune des règles. Donc, on a choisi la fonction, la forme canonique, identifier son sommet. Il l'insère dans la règle avec un point, il trouve son paramètre, on arrive à la conclusion là, pour la règle qui représente l'évolution des coûts de production. Même chose pour la règle pour la valeur des ventes. Donc, tu sais, sur le corrigé, on peut vraiment cibler là, chacun des critères, on peut les repérer à ces endroits-là aussi. Puis, on cherche le point d'intersection. Donc, on y va avec la formule quadratique. Donc, en mobilisant la formule, bien, est-ce qu'il a substitué au bon endroit dans la formule les valeurs? Puis, est-ce qu'il a fait le calcul avec exactitude? Ici, bien, il pourrait déjà avoir décidé de rejeter le 6613 masques parce que il sait qu'il n'y a pas la capacité de production à ce niveau-là. Il pourrait le faire plus tard aussi. Puis, l'adulte doit maintenant déterminer quel est l'intervalle où est-ce que les profits sont supérieurs aux ventes, où est-ce que les ventes sont supérieures, excusez, au coût de production. Donc, il peut utiliser le graphique pour vérifier quel intervalle va correspondre. Il répond en contexte. Donc, au niveau du critère 2.2, on va dégager les grandes étapes de déduction. Pardon. Ici, vraiment, est-ce que le concept clé, c'est de faire la résolution du système d'équations. C'est ça qui va lui permettre là, de déterminer le nombre de masques que Maryse et son équipe vont devoir produire pour réaliser un profit. Donc, est-ce qu'il reconnaît qu'il va devoir résoudre le système d'équations? Est-ce qu'il va utiliser les règles de la fonction du deuxième degré et du premier degré pour modéliser son système d'équations? Est-ce que dans ces étapes, bien, il va déduire, en plus de rechercher les règles, est-ce qu'il va déduire les paramètres de chacune des règles? Est-ce qu'il va utiliser, là j'ai mis la méthode de comparaison, ça pourrait être une autre méthode, et la formule quadratique
en vue de déterminer le nombre de masques lorsque la valeur des coûts de production est égale à celle des ventes. Puis après ça, bien, il faut aussi qu'ils déduisent l'intervalle de masques permettant de réaliser un profit. Puis au niveau du critère 2.1, bien là, on utilise, est-ce qu'il utilise correctement les données puis l'expression canonique de la fonction polynomiale pour déterminer la valeur de son paramètre A, puis la règle modélisant les coûts de production mensuels selon le nombre de masques produits. Donc, est-ce qu'il l'utilise correctement? Même chose pour la fonction polynomiale du premier degré. Puis, est-ce qu'il est en mesure d'utiliser correctement une méthode de résolution, puis la formule quadratique pour déterminer les coordonnées en abscisse des points d'intersection du système d'équation, puis l'intervalle de masse produit et vendu, où la valeur des ventes est supérieure à celle des coûts de production. Pour le niveau 2, le critère 2.1, la suite, mais vraiment, c'est les valeurs là, qui impliquaient des calculs. Donc, est-ce que la valeur du paramètre A de la fonction polynomiale du deuxième degré est exacte? Est-ce que les coordonnées en abscisse des points d'intersection du système d'équation sont exactes? Puis est-ce que l'intervalle de masse produit et vendu où la valeur des ventes est supérieure à celle des coûts de production est exacte? Donc, on n'a pas mis les mesures parce que, dans le fond, ça se peut qu'une erreur précédente là, amène à une erreur dans d'autres mesures, mais est-ce qu'il a fait son calcul de façon correcte là, sans faire d'erreur? Puis au niveau du critère 2.3, bien, on suggère des exemples là, de où les étapes de raisonnement sont présentées clairement. Mais est-ce que ces étapes sont indiquées, par exemple, ou les étapes sont numérotées, mais ça peut être autre chose? Est-ce que la présentation de la solution respecte les notations, les conventions mathématiques? Par exemple, est-ce que les égalités sont respectées? Est-ce que les symboles des unités de mesure sont adéquats et inscrits aux endroits appropriés? Est-ce que la réponse est cohérente au regard de la démarche? Puis est-ce qu'elle est formulée en fonction du contexte? Ici, elle devrait faire référence là, au nombre de masques que Maryse et son équipe devraient produire et vendre chaque mois pour réaliser un profit. Donc, on s'attend à ce que ça fasse référence à cet élément-là. Donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de regarder les critères d'évaluation, les manifestations qu'on a faites avec l'outil de collecte de traces. Ça, dans l'objectif de faire une rétroaction avec nos adultes, donc leur présenter l'outil. Évidemment, ils n'ont peut-être pas fait la même démarche, mais avec l'objectif de les questionner, de faire une rétroaction, puis d'échanger aussi entre nous là, le type de rétroaction qu'on pourrait faire avec eux pour chacun des critères, tout ça dans la mesure où ce qu'eux les connaissent mieux, puis soient en mesure de nous laisser de meilleures traces puis pour être évaluées éventuellement. Donc, au niveau du critère 1.1, on sait que bon, est-ce qu'il saisit bien ce qu'il doit rechercher? Est-ce qu'il tient compte des contraintes? Donc, avec notre adulte, ben, c'est de vérifier là, vraiment au niveau de le questionner. C'est quand on parlait qu'est-ce qu'on fait avec lui, bien justement, oralement. qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que tu cherchais? C'était quoi la question? Vérifier avec lui s'il connaît la signification des mots importants. Là. Est-ce qu'il savait ce que signifiait profit? Quelles étaient les variables ou les mesures là, qu'il devait mettre en relation dans cette tâche-là? Là, souvent, on va se rendre compte qu'il y a des lacunes à ce niveau-là. On peut suggérer là, faire un retour au niveau des stratégies de lecture avec notre adulte, travailler ça avec lui, lui apprendre à vraiment repérer la question, à se questionner, à clarifier les expressions ou les mots, surtout s'il n'y a pas accès à un dictionnaire ou à son cellulaire en salle d'examen. Puis à reconnaître le sens mathématique de certains mots, à laisser des traces écrites à ce niveau-là. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous faites en classe
avec vos adultes là, pour travailler le critère 1.1, justement. On en a discuté un petit peu tantôt. Je ne sais pas si vous pourriez partager votre expérience à ce niveau-là. En effet, au niveau du critère 1.1, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est au niveau de la rétroaction. C'est comment vous vous y prenez lorsque... Est-ce que vous avez des idées ou est-ce que vous avez tenté des choses au niveau des stratégies de lecture ou de d'aider l'élève lorsqu'il ne saisit pas la question? Comment vous procédez? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Est-ce qu'il y en a qui ont travaillé avec des enseignants, qui ont développé des méthodes, des approches? Un peu comme Bianca disait tantôt, souvent les élèves ont de la difficulté à comprendre ce qui est à faire à partir de la lecture de l'énoncé. On fait quoi rendu là? Est-ce qu'on mime? On fait des dessins? Qu'est-ce qu'on fait? Allez-y. Oui, bonjour. Ben moi, pour ma part, ce que je fais avec les élèves, c'est que je leur demande de surligner dans le texte. Le problème, là, dans le texte, là, vraiment, là, tous les éléments, les informations qu'ils connaissent en jaune, dans une couleur quelconque, et de surligner d'une autre couleur la question. Et par la suite même, dans la première étape de la démarche de résolution, de vraiment d'identifier ce que tu connais du problème en tes mots. Vraiment, là, de ressortir la mesure. Bon, exemple, là, je ne sais pas, moi, il y a un côté qui mesure 10 mètres. Bien, vraiment, de l'écrire, d'écrire ce qu'il sait du problème. Là. Donc, c'est ce que je demande dans la première étape. Donc, de faire ressortir tout ce qui peut être pertinent, là, les chiffres, la table de valeur, là, tout ce qui est pertinent, de mettre l'accent là-dessus, sors-moi tout ça. Là. Exact. Excellent, bonne méthode, intéressant. Hugo, tu donnes la parole. Oui, je ne vais pas répéter ce que l'intervenant juste avant moi vient de répéter, mais en effet, de faire ressortir. Puis moi, ça fait environ un an que je ne suis plus en classe là, en tant que conseiller, mais ce que j'aimais faire aussi quand j'avais un élève qui arrivait et qui ne savait pas du tout quoi faire, mais je lui disais, avec ce que tu as devant toi, avec ce que tu as sur la tâche, qu'est-ce que tu pourrais avoir à faire. Fait un peu d'anticiper la tâche, de voir un peu le concept ou ce qu'il a compris. Donc, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu pourrais anticiper? Qu'est-ce que tu aurais à faire dans cette tâche-là, selon toi, selon ce que tu vois, selon ce que tu as compris de la tâche, sans nécessairement aller répondre à la question, mais au moins, il se fait une idée de, avec ça, voici ce que je peux faire. Moi, j'aimais bien travailler cette méthode-là. C'était pas toujours gagnant. Des fois, on s'en allait sur une mauvaise piste, mais des fois, c'était quand même bien aligné. Oui, j'imagine que c'est comme les autres pistes de didactique alternative, c'est que souvent, ça demande quand même un bon niveau d'accompagnement. C'est très difficile, même si on est la majorité des centres travaillent en enseignement individualisé, c'est très difficile de laisser l'élève par lui-même. C'est très difficile, surtout dans l'approche par compétences. De l'autre côté, je ne sais pas si il est fois d'utiliser une démarche un peu inversée, c'est-à-dire, je ne sais pas, on peut prendre un cours de troisième secondaire là, en algèbre, de demander à l'élève, voici une table de valeurs, construis-moi un énoncé qui ferait en sorte que tu utiliserais la table de valeurs pour trouver un résultat. Donc, tu lui donnes une table de valeur avec un X, un Y. Tu peux même les définir, dire nombre de semaines, dépenses familiales cumulées, ou peu importe. Demande à l'élève, construis-moi un problème autour de ça. Construis-moi un énoncé qui ferait en sorte que j'utiliserais cette table de valeur-là. Ça peut être un chiffre aussi. Construis-moi un énoncé pour lequel la réponse va être 23,55 $. D'essayer de l'emmener à essayer de travailler son imaginaire, à travailler les mécanismes, de dire, ben OK, ouais, c'est le type de question qui pourrait... Trouve-moi un énoncé qui pourrait me donner la fonction polynomiale suivante, qui me donnerait le graphique suivant. Alors, on pourrait même donner un graphique avec pas d'axe, pas de titre, rien, dire, bon, ben OK, ça serait... Compose-moi un problème
pour lequel je devrais avoir un graphique et ce serait quoi les étiquettes d'axe et le titre du graphique. Hein? Procéder à l'envers pour amener l'élève à faire des liens, dire, OK, quand j'ai une table de valeur, c'est parce que ça fait référence à un lien. T'sais? Vous comprenez un peu ce que je veux dire? On pourra en discuter une prochaine fois, mais ces liens-là inverses peuvent peut-être faciliter la chose. Bonjour. De ma part, la première des choses que je fais avec l'élève, là, c'est de lui dire, raconte-moi le problème, parce que je ne comprends pas le problème. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi? Il s'agit de quoi? Et là, il va faire la lecture et en même temps, il va essayer, comme il l'a dit Hugo et les autres collègues, de sortir les éléments essentiels. Mais ce qui est important aussi pour moi, des fois, ce que je fais un petit peu la démarche qu'on peut utiliser ou qu'on utilise au niveau de la programmation, c'est-à-dire l'analyse descendante et l'écriture remontante. Alors, qu'est-ce qu'on cherche exactement? Est-ce que tu arrives à voir ce qu'on cherche? Donc, il va me dire on va chercher le nombre de masques. OK, c'est bien. Donc, à partir de ce nombre de masques, qu'est-ce qu'il te faut pour arriver à ce nombre de masques optimum? Donc, il me faut ceci, cela. Et on va remonter, aller chercher les données pour les mettre, c'est-à-dire en évidence pour nos calculs. Donc, c'est une démarche qu'on appelle l'analyse descendante et l'écriture remontante. Et ce n'est pas faux, c'est vraiment, ça tombe c'est-à-dire, ça tombe juste, ce qu'il a dit Martin, c'est au niveau de l'analyse. Dans les problèmes informatiques, on dit que 60% c'est l'analyse. Et 40%, c'est la résolution et tout ça. Donc, c'est l'analyse qui consiste le point crucial du problème, de la résolution du problème. Et parfois, j'amène l'élève à faire des schémas. C'est parce qu'en schématisant, là, pour avoir une idée. Par exemple, voilà, par exemple, je ne sais pas, n'importe quoi, là, il va faire un petit schéma. Voilà, c'est ça. Et puis, à partir de ce schéma-là, il va essayer. On a deux camions. Voilà les deux camions. Qu'est-ce qu'on va faire, etc. Le schéma, c'est vraiment génial, ce que je trouve là. Et puis, en utilisant les couleurs, bien sûr. Des fois, on utilise les couleurs, là. Et puis, on fait des fois, ce que je fais avec l'élève, je fais des carreaux, juste des carreaux. Et on va écrire le nombre, par exemple, le coût, et je mets une case, et je mets des valeurs. Et j'incrémente ces valeurs. On efface, on remet, et puis c'est pour chercher certaines choses. C'est ça ce que j'ai l'habitude de faire avec mes élèves, et ça donne des bons résultats. Ouais, c'est très intéressant, le côté aussi image mentale. Là, j'aime bien l'idée du schéma, schématiser, dessiner. C'est souvent une forme primitive de communication. Hein? Alors, quand l'élève ne maîtrise pas bien le langage mathématique, ça peut être très, très intéressant pour aider l'élève à surmonter ces obstacles. Merci. Ça rejoint aussi beaucoup les stratégies de lecture. Donc, tout ce que vous avez dit, c'est, bon, on identifie les informations, on les repère, on clarifie, on se résume les informations, ce que je cherche, ce que je connais. On visualise l'information en se faisant un petit schéma. Donc, mais pour ça, il faut que l'élève se questionne au travers de ça. Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que j'ai de besoin? Donc, c'est de travailler ces stratégies-là aussi avec nos adultes, puis lui amener à se questionner, comment se questionner aussi. Il y avait une autre main levée, je pense. Oui, Hélène. Oui, allô. Moi, je suis... je fais beaucoup surligner ces choses-là, mais je suis beaucoup dans l'action. Je les écoute parler, puis là, je leur dis... premièrement, ils me disent « j'ai pas compris ». Ben, j'ai « OK, mais qu'est-ce que tu as compris? » Puis après ça, ce que je fais, c'est que je dis « commence, vas-y,
fais-les, commence-les. Ben là, ben, tu es capable, il y a des choses que tu comprends. Fait que j'en ai une élève qui a beaucoup de difficultés à voir la globalité d'une tâche. Puis ça fait que ça la restreint dans sa volonté de continuer le problème. Fait que là, je lui dis, c'est pas grave, des fois, moi non plus, je vois pas tout de suite tout ce qui est à faire. Mais tu sais, si on revient à l'exemple de l'attente de tantôt, où il y avait un volume à calculer, ben, peut-être qu'elle ne voyait pas tout de suite qu'il y avait une hauteur à trouver, mais c'est sûr que mon élève aurait su que c'était le volume. J'aurais dit, vas-y, commence, trouve-le ton volume. Mais là, c'est en commençant, en écrivant la bonne formule qu'elle l'aurait vu, tu sais. Tandis que des plus forts vont le voir tout de suite, dès le départ, qu'il n'y a pas la hauteur déjà. Donc, avec mes plus faibles, je leur dis de commencer tout de suite, pas de façon, comment on dit ça, là, quand on commence trop vite quelque chose, là... On manque, là, il y a le côté négatif de la chose, mais là, c'est vraiment pour le mettre en action, pour qu'il voit qu'il a compris quelque chose. Commence avec ça, puis après ça, tu vas voir qu'est-ce qui te manque. Ça va venir avec... Non, c'est l'impulsivité que je cherchais. C'est pas l'impulsivité que je veux travailler, mais oui, c'est ça, de façon intuitive, à un moment donné, le reste va découler de ça. Puis là, l'élève va se faire confiance que des fois, on comprend juste une partie. Par contre, le reste va venir avec après. Une dernière intervention de Mélanie Jordan. Je voulais juste dire que une façon aussi de travailler avec les élèves la résolution de problèmes, c'est de leur présenter le problème avec la solution et demander à l'élève pour chacune des étapes, pour chacune des actions qu'il voit dans la résolution, de faire le lien avec le texte. Donc, on part d'une situation qui a été réalisée au complet. Et on demande de trouver dans le texte où est-ce que c'est écrit ou où est-ce que c'est pas écrit, parce qu'il y a souvent des informations implicites à découvrir, des informations qui ne sont pas dans le texte. Et là, ça permet à l'élève de voir et de comprendre tout ce qu'il y a à faire pour réaliser ce type de tâche-là. Et quand je l'ai fait, puis je l'ai fait travailler avec des enseignants de cette façon-là, pour les élèves qui étaient en difficulté, ça donnait vraiment des résultats parce que ils étaient capables, après ça, de eux-mêmes faire des liens, parce que c'est souvent ce qui manque, faire des liens entre les concepts. Donc, ils apprenaient à faire des liens à partir de ce moyen-là. Parfait. Donc, on peut peut-être poursuivre avec le critère 1.2. Oui, critère 1.2, il y a beaucoup de jus. Oui! On a beaucoup de lacunes des fois ici avec nos adultes au critère 1.2 parce que l'élève a mis les changements de registre. On veut qu'ils soient en mesure de mobiliser des stratégies. Donc, des fois, on a des élèves qui le font très bien et d'autres pour qui c'est plus difficile. Donc, vraiment, c'est de les questionner, de leur présenter aussi une panoplie en leur présentant l'outil, on a déjà des stratégies là, qui sont dans notre outil de collecte de traces, puis leur demander, eux, quelles stratégies qu'ils ont utilisées, pour quelles raisons, avec quel objectif, qu'est-ce qui était recherché déjà, pourquoi ils ont fait ça. Mettre en évidence aussi les stratégies pertinentes là, qui ont été utilisées par l'adulte pour faire du renforcement avec eux. Lorsqu'on a des lacunes à ce niveau-là avec notre adulte, ben moi, en fait, ce que je faisais avec mes adultes, c'est que je leur en présentais plusieurs avec des stratégies de lecture aussi pour développer le critère 1.1. Puis je leur demandais, voici, là, j'ai des petits cartons, là, qu'est-ce que tu ferais pour faire... pour réussir à déterminer là, le savoir ici qui est en jeu. Mets-moi-les dans l'ordre, lesquels tu utiliserais, puis applique-les maintenant. Tu sais. Donc, pourquoi j'utiliserais une ou plusieurs de ces stratégies-là? Identifie celle là, qui te permettrait de choisir le bon modèle algébrique pour résoudre cette tâche. Parce que là, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'élève, il sait dans quel cycle qu'il est, quel savoir techniquement il va avoir à mobiliser. Donc il y a déjà certains éléments là, qu'il peut éliminer, quoique des fois, on va mobiliser d'autres savoirs. Donc, c'est des conseils là, ou des choses qu'on peut travailler avec eux. Puis, on mobilise les stratégies, mais on veut aussi, dans la prochaine diapositive, là, sélectionner, là, transposer vers
les informations du contexte vers le système ici d'équation. Donc, c'est de vérifier, bon, OK, tu as fait de calculer les écarts là, dans ta table de variation, mais c'est quoi le modèle algébrique là, qui est en lien ici? Ou tu as refait une représentation graphique? Est-ce que c'est une fonction du second degré ou une fonction exponentielle? Bon, elle n'est pas au programme, là, celle-ci, dans le 42-71, là, mais elle pourrait être dans le 42, en CST, elle est, ou en secondaire 5, elle serait. Donc, est-ce que graphiquement, est-ce qu'il serait capable de distinguer les deux fonctions ou est-ce qu'il faudrait qu'il applique d'autres stratégies là, pour être capable de les distinguer? Donc, si on se rend compte qu'il y a des lacunes à ce niveau-là, oui, applique des stratégies, mais n'arrive pas à sélectionner le bon savoir quand même. Donc, c'est faire des activités plus ciblées avec nos adultes. Ça pourrait être de proposer plusieurs tables de valeurs, puis d'y demander de calculer travailler les écarts dans ces tables-là puis de déterminer la fonction qu'elles représentent. Donc là, il va être obligé de réaliser que les écarts, c'est différent, puis finalement, ça s'associe à différentes fonctions. Donc, je ne sais pas comment vous faites, vous, pour travailler les stratégies avec vos adultes. Là, on a parlé de carton, tout ça. Je ne sais pas si vous vouliez échanger aussi sur ce point-là. Moi, je voulais ajouter, Catherine, je me rappelle pas quelle collection, je ne me rappelle pas si c'était chez Bruy-Boutier ou chez CEC, il montrait comme des tables de valeurs pour la fonction polynomiale qui passaient tout le temps par zéro. Ah oui. Alors, il y en a comme plusieurs comme ça, fait que là, tu as des tables de valeurs, puis là, tout le temps 0, 0, puis là, tu as les autres. Fait que finalement, l'élève, il n'utilise même plus de stratégie, il procède par association, il se dit, ah ben comme ça passe par 0, 0, c'est la polynomiale, ce n'est pas la fonction exponentielle. Hein? Il discrimine rapidement comme ça. Alors, moi, souvent, ce que j'avais tendance à faire, c'est à faire exprès pour lui donner une autre table de valeur, par exemple, qui ne passe pas par 0, 0, qui n'a pas de régularité. Donc, oui. Ça ne saute pas de 1 à 2 à 3 à 4, mais c'est 17, 33, 62. T'sais, pour m'assurer que quand il va faire ses écarts, il va faire « Oh, c'est pas régulier ». Donc, essayer de le déstabiliser pour développer son agir stratégique et non pas son agir automatique, de dire « OK, ben c'est comme ça » ou « Ah, là, à zéro, ben elle passe par là, donc c'est la fonction exponentielle. » Parce que souvent, je trouvais que certains élèves, souvent des élèves qui ont des difficultés justement d'agir stratégique, c'est qu'ils vont prendre ça comme une recette, un truc qui marche. Ils vont dire « Ah, ben ça marche tout le temps, je vais regarder mon corrigé ». Mais ça marchait comme, je ne me rappelle pas c'était quelle collection, mais il donnait constamment, tu sais, dans le chapitre sur les fonctions polynomiales, il donnait constamment des tables de valeurs. Quand il donnait des tables de valeurs, il était tout le temps sous la même forme. Fait que j'ai remarqué qu'il fallait les déstabiliser en donnant d'autres tables de valeurs pour le déstabiliser jusqu'à temps qu'il arrive à comprendre que, par exemple, dans ta table de valeurs, si tu divises les ordonnées par le carré des abscisses, bien, ça te permet de trouver ton paramètre A. Donc, c'est une stratégie supplémentaire à ajouter dans ton coffre à outils parce qu'on sait que les guides sont assez avares là, concernant les stratégies. Il y a Hélène qui a un commentaire. Oui, en fait, je me questionne sur la participation des élèves quand vous leur proposez justement de classer des cartons puis de faire des exercices de ce style-là. Est-ce qu'ils participent vraiment dans le sens où ce n'est pas une perte de temps pour eux? On sait que des fois, ils veulent vraiment aller à l'essentiel dans leur cahier puis tout ça. Quand vous faites ça en grand groupe, est-ce que vous atteignez l'objectif voulu? Ben moi, je le fais souvent. Ben je le faisais. Mais au niveau jumelle, les stratégies puis les étapes de démarche. Puis au contraire, souvent, c'est avec un élève à la fois. Puis j'ai mes petits cartons de prêt. Puis je dis, OK, là, tu as de la misère à t'organiser, à savoir quoi faire. Mais tu sais pas, ils ont de la difficulté à se questionner, hein, puis à se poser eux-mêmes les questions, puis dire par où je commence, tout ça. Donc, en ayant
des cartons, c'est très général, là. Moi, c'était pas spécifique, tout découpé, là, j'ai vu ce qui avait été fait, là. C'était génial là, pour chacune des tâches, là, mais c'était très général, mais ça leur permet de se poser les bonnes questions, puis de s'organiser, puis d'établir un plan de match. OK, quelle stratégie je devrais utiliser? Ils ne pensaient même pas avant là, d'en utiliser. Donc, de se questionner au bon moment, s'organiser dans leur démarche. Puis après ça, ben, ils n'ont plus besoin de mes cartons, puis ils le font eux-mêmes. Fait qu'au contraire, ça. Puis avant de faire leur démarche, de procéder à l'exécution de la tâche, ben, on validait ensemble leur plan de cette manière-là. Fait qu'au contraire, finalement, quand ils arrivent dans des situations plus complexes, ben, ils étaient capables de procéder seuls. Mais c'est sûr que moi, j'avais mes tâches faites maison. Puis j'enlevais certains éléments des cahiers pour éviter là, que l'élève ait l'impression que ça soit trop gros là, à faire, là, qu'il y ait trop d'éléments à produire. Oui, bien, tu sais, ta question, je trouve qu'il y a plusieurs niveaux là, à cette question-là. Ben, premièrement, là, c'est ça, tu parles de faire en grand groupe. Comme moi, je travaille presque jamais en grand groupe. Là, je travaille toujours en petit groupe. Ça, c'est une première chose, là, comme je les regroupe par cycle de cours. Puis ben là, c'est ça, Martin, il a comme glissé un mot comme quoi quand on faisait du team teaching, c'est comme tout nouveau, on n'a pas commencé l'année comme ça. Ça fait que là, il y a une de mes collègues qui s'est joint à moi depuis le mois de janvier parce qu'on a déménagé. Mais bref, elle n'en faisait pas. Puis il y a quelques-uns de ses élèves qui réagissent fortement à ça. Ça fait que oui, l'opposition existe. Ben, je pense qu'il y a un peu question de langage puis de conception comme dans le milieu. On dit toujours aux élèves qu'ils ont des cahiers à faire, alors qu'on devrait leur dire qu'ils ont des cours à faire. Ça fait qu'il y en a beaucoup qui ont l'idée qu'ils viennent à l'éducation des adultes pour remplir un cahier. Puis, ben, c'est sûr que ceux qui ont l'idée qu'ils viennent à l'éducation des adultes pour remplir un cahier, ils n'aiment pas ça quand on leur donne des affaires qui ne sont pas dans le cahier. Mais, tu sais, ça fait que moi aussi, j'en ai vécu de ça. Moi, ce que je dirais, c'est qu'à la longue, c'est généralement pas très long pour que les élèves se rendent compte de la pertinence de l'exercice. La seconde qu'on réussit à leur en faire une ou deux, là, à un moment donné, ils font comme oh, ouais, c'était difficile, ça, j'ai comme pas vraiment fait de ça dans mon cahier. Puis là, tu peux renchérir en disant ben justement, c'est ça qu'on te demande à l'examen. Ça fait que, tu sais, tu viens faire un cours ici, donc c'est important de travailler ça. Puis, tu sais, justement, sans enlever la pertinence au cahier, moi, je leur dis toujours que le cahier, il est super bon pour te montrer c'est quoi les notions importantes à l'examen. Maintenant, je te donne ça en plus pour que tu sois capable de mobiliser ces notions-là à l'examen puis réussir. Donc, si tu y crois, je pense que tu peux aplanir ces résistances-là. Puis, tu sais, les élèves, au final, ils savent pas toujours ce qui est bon pour eux. Merci, je pense que je vais retenir « tu viens ici pour faire un cours » et non le cahier. C'est vrai que moi-même, je pense que j'ai... peut-être l'habitude de mentionner plus le cahier que le cours. C'est bien. Oui, merci. Ça revient à ce que Louise disait aussi, que peut-être que les outils que vous allez utiliser pour expliquer ne seront pas utilisés en examen, mais que les stratégies qu'ils vont développer, eux, le seront ou elles le seront à évaluer. Valérie? Oui, peut-être juste pour renchérir un peu ce que François a dit, dans le fond, moi, je fais des activités beaucoup de groupe, par exemple, vraiment avec tout mon groupe, puis je te dirais que tout vient dans la routine d'un certain sens, donc plus on en fait, plus dans le fond, ils sont heureux d'en faire avec nous, tu sais, justement, d'être toujours dans un cahier, à un moment donné, en tout cas, ça peut être long, donc je pense que d'en faire souvent, c'est souvent la clé à ce qu'ils y adhèrent, puis qui apprécie dans le fond, et même qui en demande, parce que, tu sais, s'il y a une journée, en tout cas, moi, j'ai toujours un petit quelque chose à tous les jours, c'est pas toujours des grosses tâches, et ainsi de suite, mais, tu sais, si je suis pas prête, ben je vais me le faire dire, je vais me le faire demander,
Donc, je pense que c'est à l'usage, dans le fond, lorsqu'on en fait beaucoup à l'habitude, il apprécie. Puis oui, il peut y avoir parfois quelques résistances, puis parfois, il y en a qui n'embarquent pas, malheureusement. Mais je pense que la majorité, en tant que telle, des élèves apprécient qu'on change un peu la routine puis qu'on apprenne un peu autrement en même temps que les cahiers. Merci Valérie. Je donne la parole à Nancy. Oui, je suis bien d'accord avec les intervenants précédents. Puis aussi, je pense qu'il y a des moments aussi pertinents là, pour faire ces types d'activités-là, comme dans la dernière, le 20 minutes avant l'heure du dîner, puis le dernier 20 minutes de la journée, souvent les élèves là, sont plus fatigués. Donc, là, à ce moment-là, ils ont plus un désir là, de changer la façon de travailler ou la façon de se questionner. Puis moi, je vois vraiment 20 minutes max. Là, tu sais, c'est vraiment des activités là, très, très courtes et des questions. Je les questionne beaucoup, mais c'est vraiment très, très... une tâche à la fois, là, vraiment petit pas par petit pas. Merci, Mme Bernard. François, tu veux renchérir? Oui, bien, c'est Valérie là, qui mentionne les élèves qui ne participent pas. Là. C'est vrai qu'ils existent, mais souvent, c'est ça, quand on leur donne des tâches plus complexes comme ça, les élèves, ils ont besoin de plus d'accompagnement aussi, puis il faut être prêt à ça. Ça fait qu'il y en a beaucoup que j'ai constaté là, que le désengagement vient du fait qu'ils ne savent pas quoi faire, puis que l'accompagnement ne vient pas assez vite. Ça fait que moi, ma recommandation là-dessus, c'est d'en avoir pas trop à la fois qui travaillent sur des tâches comme ça, puis s'arranger pour se dégager assez de temps pour justement pas les laisser se rendre là, puis éventuellement les élèves qui participent moins, si tu es tout le temps en train de les questionner, tu sais, c'est socialement, c'est malaisant de ne pas répondre aux questions qu'on me pose. Donc, si à force de ne pas les lâcher, les élèves, généralement, ils embarquent dans le jeu. Là. Donc, c'est toutes les questions qu'on avait, Mme Paris. Parfait. Donc, c'était bien intéressant. Donc, au niveau du critère 1.2, on pourrait passer au critère 2.2. Donc, ça se rejoint quand même. C'est vraiment au niveau de la démarche. Ici, tu sais, on veut vérifier si l'élève est capable de dégager les étapes de résolution. Donc, c'est encore beaucoup de questionnements pour notre adulte. Est-ce qu'il a été capable de le faire? Qu'est-ce qu'il a besoin de connaître? Quelles sont les règles qu'il a besoin de savoir? Donc, si notre adulte a été capable de faire ça, là, c'est intéressant de mettre en évidence là, ces étapes, puis les éléments qui étaient attendus puis qui ont été observés, parce que pour lui, c'est important là, qu'il sache qu'il va être évalué aussi là-dessus, puis que ça vaut quand même un bon pourcentage de sa note. Puis, s'il y a de la difficulté, bien, c'est vraiment de cibler aussi ses points forts, ceux qui sont améliorés, puis où est-ce que ça l'a bloqué. Puis, comme je disais tantôt, bien, c'est de proposer aussi, on peut proposer des étapes de résolution, là, comme vous en aviez parlé à la dernière rencontre ou qu'on vienne juste d'en discuter, là. Donc, qui pourrait ordonner, donc ça y apprend aussi les questions à se poser. Puis on peut le faire aussi avec du renforcement, là, juste des petites tâches, on ne demande pas de faire la résolution. Puis tranquillement, on dit, bon, OK, place-moi les étapes de résolution aussi. Choisis-en, elles ne sont pas toutes bonnes nécessairement, parce qu'on ne sait jamais comme la tâche, qu'est-ce qu'elle va être. Donc, place tes étapes de résolution, choisis les pertinentes, puis on va regarder ton plan de travail, puis après ça, tu pourras faire la résolution. Donc, tranquillement, il s'en vient bon, il prend confiance en lui. Puis après ça, bien, il est d'attaque pour une tâche un peu plus complexe. Donc, je ne sais pas si vous aviez d'autres points à discuter à ce niveau-là ou si on a fait le tour aussi un petit peu avec le 1.2. Oui, je voulais juste ajouter que dans ce que vous dites depuis tout à l'heure, je pense que le travail sur... les critères d'évaluation est très important
pour l'élève comprendre sur quoi il va être évalué, puis à quoi correspondent les différents éléments des critères. Je pense que c'est important de les mentionner aux élèves puis de les travailler avec eux pour qu'ils sachent, qu'ils comprennent mieux c'est ça, les critères, puis comment ils seront notés, quels pourcentages seront rattachés sur les différentes choses qu'ils ont à faire dans une tâche complexe. Oui. Donc, c'est un élément à ne pas oublier. Oui. T'sais, des fois, on leur dit, on leur explique un peu c'est quoi les critères d'évaluation. On pourrait leur avoir mentionné aussi le pourcentage. Mais pour eux, c'est assez abstrait. Donc, ici, en ayant une tâche, ben, on peut vraiment leur dire, écoute, les traces que tu me laisses ici, là, ça me permet là, de vraiment appuyer le fait que tu m'as laissé des étapes de résolution. Je vois vraiment bien tes stratégies que tu as fait ici. On voit le passage, tu as sélectionné tes savoirs. Oups! Tu as sélectionné tes savoirs, tu as voulu chercher la règle, tu as fait une erreur ici, là, mais tout le reste en avant, c'était bon, je suis contente. Donc, on peut faire du renforcement puis expliquer l'importance de laisser ses traces, même s'il y a quelque chose qu'elle n'avait peut-être pas saisi, mais au moins, on a des éléments là, pour le noter. Puis lui, ça lui permet de vraiment distinguer puis de comprendre ça. Puis nous, ça nous permet aussi de faire du renforcement puis de travailler ces critères-là là, avec notre adulte. On pourrait même... C'est sûr, présenter les manifestations à l'adulte, mais là, il n'y a pas la même démarche. Il voit ces manifestations-là, il dit « je ne suis pas correct ». Il pourrait avoir cette crainte-là. Il pourrait avoir une colonne blanche, vierge à côté, puis réécrire « regarde, toi, ta démarche, c'est ça ». Puis c'est correct, ton chemin est bon. Voici les manifestations qui pourraient être rédigées brièvement à côté. Donc, ça pourrait être intéressant. Oui, Martin? Bien, moi, j'ai aimé beaucoup tantôt quand tu as présenté le corrigé de la tâche sur les masques. Tu avais mis sur le corrigé les numéros des critères à différents endroits. Moi, je pense que ça peut donner un bon moment à l'enseignant pour quand tu corriges la tâche avec l'élève, tu sais, de lui montrer, de dire, tu vois-tu ici, c'est écrit 1.2. 1.2, là, c'est un des critères d'évaluation. Fait que quand tu me mets ta table de valeur, tu me mets tes écarts, tu me fais ton graphique, puis tu me construis ta règle algébrique, tous ces éléments-là, là, ça, c'est le critère 1.2. C'est un des critères qui est très payant dans ta démarche. Tu sais, de parler de ça, puis de le voir, de dire, OK, les critères se manifestent par des éléments observables sur une copie, pour que l'élève soit vraiment conscient de ça. Là. Je trouve ça intéressant de le mettre sur le corrigé. Hélène, tu veux intervenir? Oui, bien, j'aime ça ce que Martin vient d'expliquer parce que j'ai eu la même réflexion tantôt quand je regardais le corrigé. Puis je me disais, en tant que correcteur et en tant qu'élève, il y a vraiment de bonne utilité à ça aussi parce que je me dis, premièrement, quelqu'un a fait l'exercice, a trouvé vraiment quel critère était là. Fait que moi, comme correcteur, ça me permet de plus facilement associer en même temps là, dans quelle compétence que ça va puis dans quel critère, tout ça. Je trouve ça plus simple parce que c'est pas évident à faire. Hein. On est en CAP présentement. Nous, on est en train de travailler les savoirs essentiels. Puis justement, on les décortique au complet. Puis on regarde, puis on se rend compte que dans certains sigles, on allait trop loin. On les voyait trop alors que c'était plus loin qu'il fallait les voir. Donc, je pense que la prochaine étape, ce serait de faire ça, justement, quand on va avoir saisi là, tous les sigles pour trouver tous les savoirs essentiels. Je pense que ça va être une bonne chose. Je lance ça à Hugo, là, qui est mon conseiller pédagogique,
que peut-être que ça pourrait être l'étape suivante, là, justement, de faire ça. Là. Je pense que ça l'aiderait vraiment beaucoup. Puis justement, dans nos révisions d'examen qu'on fera, bien, on pourra les intégrer en même temps. Ça serait déjà bien parce qu'on les a souvent, que ça accompagne le corrigé, mais personnellement, je ne vais pas toujours regarder là. Tandis que si je l'ai tout de suite avec, c'est sûr que ça va m'aider. Fait que, Hugo, on a de la job. On peut continuer. Oui, parfait. Au niveau du critère 2.1, donc c'était vraiment l'utilisation correcte là, des savoirs. Donc ici, c'est vraiment de vérifier avec notre adulte s'il a compris le concept, puis de s'assurer là, de faire une rétroaction là, sur le savoir qui a été utilisé. C'est une occasion aussi de dire, OK, t'as-tu sélectionné le bon savoir? Tu as recherché la règle, mais par exemple, tu as mal substitué les coordonnées du sommet dans ta règle. Mais là, on voit là, c'est ici là, que tu as mal utilisé le concept de la règle. Ou tu les as bien substitué, mais tu as fait des erreurs de calcul. Mais là, OK, est-ce que tu fais souvent les mêmes erreurs de calcul? Est-ce que c'est des erreurs parce que tu es mal structuré dans ta démarche? Donc, c'est de vérifier avec notre adulte s'il faudrait qu'il soit un peu plus structuré, aligner ses égales, ou est-ce que c'est vraiment lié à des savoirs antérieurs et de la difficulté quand il isole ses variables, il ne change pas son signe, des choses comme ça. Donc là, ici, vraiment, c'est des pistes de rétroaction, puis d'observer vraiment toutes ces démarches, voir si ça revient souvent. Les étapes du raisonnement sont présentées clairement. Donc, est-ce qu'on est capable de voir ces étapes de raisonnement? Donc, est-ce que sa démarche est claire? Si oui, tant mieux. Sinon, on peut lui demander de nous les présenter. Si lui-même a de la difficulté, là, c'est l'occasion de suggérer une façon d'organiser sa démarche. Donc, de peut-être établir avec lui un système pour numéroter ses étapes. Puis aussi... De faire un retour sur les unités de mesure, les graphiques, qu'est-ce qu'on s'attend quand il produit un graphique, si c'est pour sa réponse. Puis d'insister aussi que la réponse doit être formulée en fonction du contexte, donc s'assurer qu'il fasse une réponse complète. Donc, c'est pertinent là, de vérifier ça. Bien, premièrement, moi, je veux te dire merci beaucoup, Catherine. C'était... très intéressant de voir le lien entre les critères, l'outil de collecte de traces et les rétros. Je ne suis pas certain que je ferais ça tout le temps, mais bon. Je ferais peut-être l'exercice au moins une fois ou deux pour avoir un modèle complet pour essayer de développer le réflexe, par contre, parce que je trouve ça intéressant, mais je ne suis pas sûr que j'ai le réflexe de le faire, tu sais. Alors, d'avoir des petits indices, genre mettre les critères sur un corrigé ou avoir un outil de collecte de traces avec des pistes de rétroaction sur mon bureau, plastifié, tu sais, genre la tâche que j'adore donner, comme François, depuis quelques années, François et sa tâche de l'avalanche, c'est comme un classique, c'est tâche de l'avalanche, François. Ça va ensemble. Alors, on a des tâches comme ça qu'on aime plus que d'autres. Fait qu'il y en a peut-être une ou deux que je ferai le modèle, mais je ne suis pas certain que je le ferai au complet. Mais en tout cas, beaucoup d'idées, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées, encore une fois, qui ont été énoncées aujourd'hui. Je te remercie beaucoup. Bienvenue. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, s'il y a d'autres commentaires, on vous laisse la parole à tous de pouvoir continuer de jaser avec Catherine. Ben, c'est quand même un beau privilège qu'on a, surtout que moi, comme je coordonne la production des épreuves au ministère, j'ai quand même vu les outils de collecte de traces évoluer, hein, parce que j'ai vu... 2017, par exemple, pour le critère 1.2, on écrivait comme stratégie, bien, l'élève utilise la table de valeur, mais c'était tout. Ce qui faisait en sorte que pour nous qui corrigions des examens, c'était pas évident, parce que oui, il utilise la table de valeur, mais il fait un peu n'importe quoi avec, puis il choisit pas la bonne fonction. Donc,
il y avait tout l'aspect que tu as clarifié aujourd'hui avec il utilise une table de valeur pour changer de registre, puis il choisit le bon savoir associé. Donc, il y a tout un élément pertinent là, dans la description de la manifestation que je trouve très pertinent. Donc, ça aussi, j'ai bien apprécié. On a Asdine qui a une intervention. Oui. Moi, j'ai juste une petite question en ce qui concerne l'attitude de l'élève vis-à-vis d'une tâche. J'ai l'impression qu'il y a aussi un côté caché psychologique de l'élève. C'est comme, j'ai l'impression, que, je ne sais pas est-ce que vous l'avez remarqué aussi, c'est comme l'élève, c'est comme il n'amène pas son intelligence, ou il est vraiment intelligent, mais le problème c'est qu'il arrive des fois, juste un simple exemple, des fois au pré-secondaire, il y a des étudiants qui arrivent. Est-ce qu'on va ajouter les taxes ou on va les soustraire ou le raver, des questions comme ça? Mais juste, c'est comme il laisse son intelligence pour venir faire les mathématiques. C'est comme les maths, c'est comme il vient comme ça, il va dire que je ne comprends rien, tout ça. C'est comme il se rabaisse devant une tâche là. Donc, est-ce que vous avez cette impression pour certains élèves, ce n'est pas pour tout le monde, là, et comment on peut surmonter ce problème avec nos élèves? Merci. En effet, c'est vraiment pas évident de surmonter l'espèce de blocage psychologique qui sont probablement là depuis longtemps. Moi, je me rappelle, j'ai au début de ma carrière en FGA, j'ai enseigné 2 ans en milieu carcéral. Et il y avait une constante chez certains détenus. Quand ils venaient me rencontrer pour faire leur test diagnostique en mathématiques et leur test de classement pour reprendre leurs études, je ne peux pas te dire à quel point il y avait des gars qui me disaient: quand je fais des mathématiques, je revois encore mon père donner des coups de poing sur la table de cuisine parce que je ne comprends pas. Tu sais, bang, tu ne comprends pas, voyons, c'est 5, bang, bang. Puis c'est comme martelé dans leur tête de dire, pour moi, c'est associé à une espèce de jeu qui n'est pas accessible à tout le monde. Moi, je ne suis pas bon à ce jeu-là. Je ne suis pas bon à ce jeu-là. Alors, pour surmonter ça, je ne sais pas, pour l'avoir vécu en milieu carcéral, mais il y a longtemps, là, ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas enseigné en milieu carcéral, mais quand j'enseignais en milieu carcéral, une des choses que je faisais avec eux, c'est que j'y allais vraiment avec un espèce de système de badge. Je les emmenais à avoir de petites victoires, gagner. Faire ce problème-là, des fois, il était très simple. Puis, il le reconnaissait. Il disait, OK, c'est sûr que tu me donnes un problème qui est trop facile. OK, s'il est trop facile, je vais te donner une contrainte supplémentaire. Je te donne 5 minutes pour me le faire. Ah, OK, là, il faisait. Donc, j'essayais d'y aller comme ça pour avoir le plus de victoires possible pour remonter un minimum d'estime de soi qui était détruit d'il y a longtemps. Et ça, on peut pas négliger, même si tous les enseignants sont de bonne foi et ont de bonnes intentions, souvent les échecs qu'ils vont avoir vécus au primaire et après au secondaire vont être de grands obstacles pour nous qui essayons d'aider ces élèves-là. Alors, perso, les badges, les petites victoires, un petit carnet qui montre qu'il a bien évolué. Une autre chose que je faisais, c'est que je prenais des photos. Ça, c'est plus vers la fin, quand j'avais mon téléphone cellulaire. Je prenais des photos avec les élèves. Je leur disais, bon, là, tu vas venir le problème, puis tu vas m'encercler avec, mettons, un marqueur. Tu vas marquer en vert ce que tu connais, puis ce que tu sais quoi faire avec ça. Puis tu vas me surligner en rose ce que tu n'es pas sûr de faire avec ça. Et je prenais une photo, schlick. Et ensuite de ça, 10 heures plus tard, je refaisais un autre problème avec, puis je disais, OK, tu vas me surligner en vert ce que tu comprends, ce qui est clair pour toi, puis en rose. Jusqu'à temps, puis là, je lui montrais les photos. Là, je prenais mon téléphone, puis je montrais 1, 2, 3, 4 photos. Je balayais les photos et je montrais à l'élève, tu vois, il y a de moins en moins de rose dans ce que tu fais. C'est donc que tu comprends de mieux en mieux tes problèmes.
Donc, des petites pistes comme ça pour essayer de jouer sur le renforcement positif, parce que sinon, effectivement, c'est un obstacle qui est au-delà des mathématiques qu'il faut surmonter. Mais c'est une bonne intervention, Asdine. Merci d'avoir soulevé la question. Si on n'a pas d'autres interventions, j'inviterai Louise à prendre la parole, à nous présenter sa minute techno. Je pense qu'aujourd'hui, Louise nous montre un bel exemple à réaliser en ligne avec les élèves, avec l'outil GeoGebra, qui personnellement, qui est un outil que moi j'utilise assez souvent. De même que j'ai mes trois garçons, mes deux filles sont rendues au cégep à l'université. Et puis, il n'utilise pas beaucoup l'outil, mais quand il était au secondaire, il l'utilisait bien. Et mon garçon, qui est en cinquième secondaire, l'utilise fréquemment. Et souvent même, il est en sciences naturelles, cinquième secondaire, je vais lui dire, utilise GeoGebra, va voir avec GeoGebra avant de me poser la question. Je veux que tu me poses la question après que GeoGebra t'ait donné son avis. Alors, c'est drôle. Alors, il m'envoie des fois des photos, il dit, mais je l'ai fait. Il m'envoie une photo, il dit, ça donnait ça. Puis là, je peux jouer. Là, il est distancié, il était dans les vecteurs. Et avec GeoGebra, il a vraiment là, débloqué d'un coup quand je lui ai montré l'approche par triangle, avec les polygones. Et ensuite, je lui ai montré l'approche avec les composantes de vecteurs. Ça a vraiment, 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 vraiment illuminé. Et ça, je l'ai vu dans ses yeux, qu'il avait bien saisi. Et ça s'est fait avec GeoGebra. Alors, à toi, Louise! Bien, merci. Merci, Martin. Merci, Catherine. C'était vraiment super. J'espère que tu restes pour la fin, parce que je pense que tu vas avoir des occasions d'intervenir. L'objectif, en fait, de la présentation de l'activité, c'est de faire un exemple de comment on peut accompagner l'élève qui est à la maison. Je pense qu'on avait parlé au début aussi des élèves qui sont à la maison puis qu'on veut voir leurs traces, qu'on veut voir leur démarche de résolution de problèmes. Donc, j'ai un problème qui est quand même, je ne l'ai pas mis trop complexe parce que surtout si l'élève qui est à ses premières utilisations d'un outil numérique, il ne faut pas qu'il y ait en plus de la difficulté du problème ou de la tâche, qu'il y ait les difficultés d'appropriation du logiciel. Donc, j'ai pris une tâche qui est quand même, qui n'a pas trop d'étapes, là, qui n'est vraiment pas trop complexe, pour avoir aussi, voir comment on peut intervenir. J'aurais besoin d'une personne qui fasse l'élève. Moi, je vais partager mon écran pour voir ce que l'enseignant, vous montrer ce que l'enseignant voit. Madame Roy, je vais m'essayer et je l'ai eu un petit peu, mais je ne suis pas habile avec GeoGebra. OK. Donc, je vais attendre de te voir arriver. Et voilà, je suis arrivée. Donc, je vois Bianca. Donc, je vais ouvrir la page de Bianca. Quand j'ouvre à pleine grandeur comme ça, je vois pas au fur et à mesure ce qu'elle fait. Par contre, je peux intervenir, puis ensuite, dès qu'elle reprend les outils, moi, ce que j'ai laissé comme trace, ça va partir. Donc, je vais présenter au début, avant de commencer, je vais présenter en gros la tâche, puis pourquoi je l'ai construite de cette façon-là. Donc, il y a trois fenêtres. Vous avez vu qu'il y a trois fenêtres. Les fenêtres, je les ai construites en fonction des critères de compétences. Donc, la première, là, c'est écrit tâche 1, là, parce que c'est le terme qui est utilisé. La première, c'est ce qu'on appelle un GeoGebra note, une fenêtre note. C'est un peu comme ceux qui ont utilisé Smart Notebook, par exemple. Donc, vous avez des stylos en bas de différentes couleurs. Donc, le vert pour comprendre ce qu'on a compris, le rose, là, comme Martin disait, on peut utiliser les différents surligneurs ici. On peut utiliser le stylo, effacer et sélectionner. On a deux autres fenêtres ici, mais qu'on aura qu'on n'aura peut-être pas besoin d'utiliser. Peut-être la dernière, parce qu'on peut mettre un outil texte. Donc, un élève qui préfère écrire avec le clavier plutôt que d'essayer d'écrire avec la souris, il pourrait utiliser ça ici.
Donc, la première fenêtre, c'est vraiment pour marquer tout ça. La deuxième, c'est la fenêtre pour faire la représentation plus graphique, en fait, parce que c'est un problème plus de géométrie. Ici, on peut faire un schéma. Comme je disais, de faire des schémas, je pense que c'est Asdine qui disait ça, de faire un schéma, ça peut être quelque chose d'intéressant. On peut faire un schéma comme tracé au crayon, mais ici, on essaie de le faire un peu mieux. Pas nécessaire d'être à l'échelle. Et ensuite, on a une fenêtre vraiment pour le calcul. Donc ici, c'est une calculatrice qui est là. Donc pour résoudre le problème, on a les trois fenêtres. C'est certain que si l'élève travaille sur un cellulaire, ça ne sera pas évident. Mais si l'élève est avec un Chromebook ou avec une tablette même, ça peut se faire assez bien. Et puis, à la fin, bien, il y a la place pour écrire la réponse. Ce n'est pas une question ouverte, il y a une seule bonne réponse. Mais c'est plus pour s'approprier les différentes étapes et pouvoir intervenir. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut intervenir, surtout si on est en 1-1 avec l'élève. Donc, on peut intervenir plus facilement comme ça. Donc, Bianca, si tu vois au début, là, je vais enlever le plein écran comme ça. Parce que là, je vais pouvoir voir si tu interviens. Si tu interviens, je vais pouvoir le voir. OK. Fait que ce que tu peux faire, c'est dire en même temps ce que tu vois dans le problème puis ce que tu, comment tu ferais ta démarche. Donc là, on est dans la première tâche qui serait de faire un esquisse. Donc, je prendrai le temps de lire le problème pour commencer. Donc, un bateau qui navigue à une vitesse moyenne de 15 nœuds. On explique naturellement qu'est-ce qu'un nœud en kilomètre-heure. Selon une orientation de 140 degrés. OK. Et le zéro étant la direction nord. Si la côte se trouve à l'est avec un angle de 90 degrés sens horaire par rapport au nord à une distance de 75 km, dans combien de temps sera-t-il à 20 km de la côte? OK. Et hey, là, je suis stressée, mon Dieu, je m'excuse. Donc, on a le nord, on a parlé du nord. Je serais portée à me mettre le nord en haut pour m'aider au départ. Ensuite de ça, de dire que mon bateau navigue à une vitesse correspond selon une orientation de 140 degrés à partir de la, étant la direction nord. Donc, 140 degrés, je répète. C'est toujours le sens horaire. Là, je l'ai précisé dans le deuxième. Peut-être j'aurais dû dire le sens horaire dès donc, le début. De sens, OK. Donc, 140 degrés, on sait que c'est plus grand que 90. Donc, on irait... Bon, en se disant que c'est un 140 degrés, comme ça. Ensuite, on a dit que ça, ça correspondait à 15 nœuds. Donc, 15 nœuds, je peux le mettre en 15, mais on le sait qu'on va avoir une conversion à faire. Si la côte se trouve à l'est, un angle de 90 degrés, donc notre côte, elle devrait être... quelque part par ici, là. Ça serait notre côte. Est-ce que ça va bien pour le moment? Je ne suis pas trop mélangée. Oui, ça va. Donc, sens à une distance de 75 km. Donc, si la côte se trouve à l'est, à une distance de 75 km, donc à quelque part ici, j'ai un 75 km qui apparaît là. Après ça, prendre référence. Là, il me manque un bout, là. Prendre. Donc, à quelque part, j'aurais dû, probablement, c'était à partir de mon nord, naturellement, que j'aurais dû mettre mon 75 en haut. Qu'est-ce que je n'ai pas compris, là? Sur la... Je vais le remettre en plein écran parce que là, on va voir le dessin qui est fait jusqu'à maintenant. Donc, là, ici... Moi, je trouve que tout est correct jusqu'à à maintenant. Date, ça parce va que, bien. Oui, tout est correct. On voit 75. Mm-hmm. Il y a une distance entre la côte et notre point. Donc, et notre on bateau. Notre bateau, il est supposément dans le bout ici. Puisqu'on a dit qu'il était à 140 km à 15 nœuds. OK, il me resterait à relier dans le fond ma côte ici pour trouver mon triangle. C'est bien ça? OK. Est-ce qu'on peut... quelqu'un peut intervenir? Oui. Il faut lire la question. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Et que je me sens élève, hein? Dans combien de temps sera-t-il à 20 km de la côte? Or, je ne dois pas rentrer. Donc, ici, j'ai un autre point, comme un point de partage qui serait là. Donc, je serais rendue
sera-t-il à 20 km? Donc, je dois avoir un 20 qui apparaît ici aussi. Est-ce que ça va? Donc, sur la côte est, dans combien de temps sera-t-il à 20 km de la côte? Une côte peut être à peu près linéaire dans une prendre une, pour référence, une côte à peu près linéaire dans une orientation nord-sud. Donc, OK, à peu près linéaire, donc on la verrait comme droite, c'est ça que ça veut dire. Si on dit que c'est linéaire, nord-sud, du nord au sud, donc on pourrait dire qu'il y a un angle de 90 degrés qui vient se poser en plus ici. Allez voir la tâche finale. Donc, si on descend. Donc là, je dois descendre pour essayer de représenter comme il faut avec des vrais ou... OK. Ici, j'ai regardé le problème. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent intervenir. Quand on dit ici, le bateau, il navigue à une vitesse de 15 nœuds, puis on voit qu'il se rapproche de la côte. Donc, si je faisais la côte comme ça, le bateau, il est là, puis il se rapproche de la côte, il ne s'en va pas vers la côte. Parce qu'on a vu que la côte est à 90 degrés comme ça ici, 90, mais le bateau, lui, s'en va selon un angle de 140. Donc, il s'en va comme ça. OK. OK? Là, il était ici à 75. J'essaie d'écrire avec ma souris. C'est pas facile. Aller. Puis là, on veut savoir quand est-ce... On dit la côte est linéaire, comme ça. Donc, on veut savoir quand est-ce qu'il va être rendu à 20. OK. OK. Moi, je le vois pas sur mon graphique. OK. C'est bon. Fait que là, si je me prends... Je vois que sur un graphique, le graphique de Geneviève, je ne sais pas si ça vous dérange, je pourrais anonymiser les noms. Je vois le graphique de Geneviève qui semble fait... Okay, correctement. OK. Ça, ça ressemble pas mal à une représentation là, qu'on verrait. OK. Je ne sais pas si c'est pédagogique de dire « Ah, ben l'autre le fait... » Mais là, bon, on est en train de regarder le développement et tout. Fait que là, on a déjà une bonne idée de la représentation. Fait que là, si tu me corrigeras, Catherine, je suis pas mal dans le critère 1.1. Je me représente le problème. Il y a juste un petit truc qui manque un peu au niveau de ce critère-là, c'est de savoir qu'est-ce que je vais chercher. Je pense qu'il y avait Martin qui voulait peut-être ou Richard là, qui veulent intervenir. Ouais, en fait, c'est une question. Est-ce que tu le verrais comme une activité qu'on fait tout le monde en même temps, puis là, on regarde ce que les autres ont fait, on va regarder ce que Geneviève a fait, ou on va regarder ce que l'autre a fait, puis on en profite pour discuter maths, stratégie. Y a-t-il une problématique? C'est parce que toi, tu as une vision globale de tous les élèves, donc tu peux aller chercher des erreurs qui sont fréquemment répétées, puis dire, oh, on a quelque chose ici, est-ce qu'est-ce que vous en pensez? Là, on commence à faire une discussion. Mais ça, ça prend peut-être la confiance des élèves, parce que là, c'est de se mettre, puis comme a dit aussi Bianca au début, elle a dit « Ah, je suis un peu stressée ». C'est stressant même pour un enseignant de maths, puis peut-être plus encore pour un enseignant de maths, de faire des maths devant d'autres enseignants de mathématiques. Oui. C'est comme une situation hyper stressante. Là. Fait que des fois, on imagine les élèves comment est-ce qu'ils peuvent vivre aussi là, de faire des maths devant leur enseignant. Fait qu'il faut que les gens soient à l'aise avec ça. De le faire comme ça. Donc, comme tu disais tantôt, je l'anonymiserais. Je pense que ça enlèverait aussi cette pression. Oui. Là, c'est sûr que je travaille... Si je fais anonymiser, je vais avoir de la misère à retrouver Bianca. Bien, peut-être avec son dessin. Là, je sais que c'est l'élève 14. OK. Fait que là, je pourrais tout mettre anonyme, là, toutes les personnes. Puis je pourrais mettre en pause aussi à un moment donné pour dire, là, hop, on attend tout le monde, puis on arrête, puis on discute. Fait que je vois ça que c'est un bel outil pour travailler en gang, là, en groupe, puis on prend une pause, là, tantôt on parlait, bon, ben les 20 minutes en fin de cours ou le vendredi ou quelque chose comme ça, où là, on travaille des stratégies. Là. Puis après ça, on est dans la compétence. Ah, il y avait François aussi, je pense. Ouais, moi, je voulais savoir, c'est ça, les élèves, ils peuvent-tu voir ce que les autres font sans que le prof leur montre? OK. C'est juste quand l'enseignant le montre. Puis si on fait la tâche en pleine classe, puis que là, l'enseignant, il va projeter sur l'écran sa vue enseignant, là,
à ce moment-là, tout le monde pourrait voir. Mais autrement, chacun, vous êtes chacun dans votre espace, puis vous ne voyez pas ce que les autres font. Puis aussi, tout à l'heure, moi, les barbeaux que j'ai faits dans la fenêtre de Bianca. Il y a juste Bianca qui les voit. Non. En fait, c'est juste, elle ne voit pas sur... Elle, elle ne voit pas. Mm-hmm. C'est juste, elle voit quand je me mets en partage d'écran. OK. Puis ça, mais ça ne joue pas dans son... dans sa fenêtre à elle. Ça n'apparaît pas dans sa fenêtre. OK. Puis, y a-tu moyen de les faire apparaître dans leur fenêtre? Non. Pas pour l'instant. C'est pas le but. C'est juste pour indiquer à l'élève ce qu'il y a à faire, mais après, c'est l'élève qui doit le faire. C'est pas un document qui est collaboratif comme tel, là. C'est comme avec les différents quiz et tout. On peut pas aller changer les réponses des élèves, là. OK. Puis... On a un exemple que ça se fait bien en visio, là, tout le monde ensemble, on se donne un rendez-vous, puis on le fait en visio, c'est intéressant, à distance. Là, la deuxième fenêtre, c'est une fenêtre de construction graphique. Là, évidemment, si l'élève ne sait pas du tout comment faire, ça peut devenir un peu difficile, mais ça, c'est un outil. Il y a des tutoriels là-dessus, il y a quand même de l'aide si l'élève veut apprendre l'outil, parce que c'est quelque chose qui est super pratique là, pour les élèves de travailler avec ça. Donc, en principe, une façon que l'élève pourrait faire, c'est qu'il pourrait placer un point en disant « ça, c'est mon bateau ». Après ça, il pourrait placer la droite en disant « ça, c'est la côte ». Puis ici, j'ai marqué, on n'est pas là, dans un problème où on fait la représentation géométrique à l'échelle. On n'est pas au 21-02. Donc, on pourrait dire à l'élève, ben, tu n'es pas obligé de faire à l'échelle. Je pourrais quand même utiliser la perpendiculaire ici, c'est-à-dire la perpendiculaire à la côte. Mon point ici. Puis, je vais avoir un autre point ici. Puis là, je peux dire, je vais faire un autre perpendiculaire. Je peux faire comme ça ou juste me placer des points. Je ne suis même pas obligé d'être à l'échelle. Puis l'élève peut dire, OK, où est mon triangle? J'ai polygone ici. C'est ça, j'ai laissé tous les outils. Quand on commence avec cet outil-là, surtout au niveau pré-secondaire, secondaire 1 et 2, on peut limiter le nombre d'outils. Mais là, je me dis, j'étais avec des élèves de 4e secondaire. S'ils l'ont déjà utilisé, ils peuvent voir tous les outils qu'il y a là. Puis aussi, c'est qu'ils vont utiliser les outils qu'ils vont avoir besoin. Puis moi, si je dis... Il faut que tu utilises ceux-là, puis l'élève en aurait voulu utiliser d'autres outils. À ce moment-là, c'est que je le limite. Quand on appuie sur le petit plus, complètement en bas, il y a un outil qui s'appelle stylo. Puis là, on pourrait aller écrire dessus. C'est-à-dire, c'est quoi l'angle que j'ai ici? C'est quoi la mesure que j'ai ici dans mon triangle? Puis est où la mesure que je cherche? Et en fait, ici, ça va être celle que je vais chercher, cette mesure-là ici que je vais chercher. J'ai l'angle ici, j'ai cette mesure-là ici que je vais aller calculer. Elle est de combien? Fait que juste écrire comme ça avec le stylo, j'ai utilisé l'outil droite, le polygone, des points. J'ai aussi utilisé la perpendiculaire, mais encore là, j'aurais pu faire juste une droite. Puis, stylo en bas pour écrire, parce que je n'ai pas besoin de le faire à l'échelle. Puis là, ça va donner, à ce moment-là, une indication de ce que je dois faire comme calcul. Donc, en principe, Catherine, tu me corrigeras, ça serait ma fenêtre où j'aurais les manifestations du critère 1.2. Oui. On va vraiment... Le changement de registre, on associe, puis là, même l'adulte pourrait sélectionner le savoir, là, indiquer qu'il va faire telle ou telle formule ou dire « Ah, on va passer par les rapports trigonométriques. » OK, fait que je vois qu'il y en a qui ont fait le graphique ici. Là, je n'aimerais pas. De toute façon, je ne vois pas, j'ai mis anonyme. On voit que ce n'est pas quand même un dessin qui est très complexe à faire. J'ai souvent... fait travailler des élèves avec GeoGebra, je te l'approprie quand même assez rapidement. C'est pas un frein, là, je dirais. Là, je vais aller voir qu'il y a
une couple de personnes que je vois qui sont rendues dans la tâche 3. Ah, OK. Ici, il y a pas mal de... On voit, là, je ne sais pas c'est qui. Là, on voit que quelqu'un a utilisé le crayon marqueur pour aller écrire à l'intérieur, ce qui était important. Qui a vu ici qu'il devait utiliser la fonction cosinus. Moi, je vois ici que toutes ces mesures sont correctes. Qui l'a fait ici. Donc là, on est rendu dans la fenêtre 3. Là, ici, on peut toujours utiliser le stylo, mais on peut utiliser, là, on prend sélectionner, puis on va dans la barre ici pour écrire les fonctions. Donc, si on veut calculer le cosinus, ben, on écrit à ce moment-là. C'était combien? 50, je pense? 50. 50. C'est quoi, il faut que je fasse? Non, il faut que je divise, hein? 75 divisé par cos de 50. C'est ça, c'est ça, je dis. C'est pas cos. Vous divisez 75 divisé. Je pense qu'il fait directement le cosinus. Fait que là, ici, ça va être juste ça à faire, en fait. Bon, je vais le recommencer. Voilà. Puis, je vais juste vous donner un petit truc. Ici, il va le laisser en forme, comment qu'on l'appelle, pas scientifique. Il va le laisser en forme cosinus. On a juste à cliquer sur le petit symbole presque égal, puis il va le mettre. C'est pas 75, hein, excusez, c'était 55. Hey, je vais y arriver. Je suis pas sûre que c'est ça la bonne réponse. Ça ne marche pas. C'est bon. Il fallait mettre le petit symbole de... De degré, peut-être? De degré. Je pense qu'il prend radian automatiquement. Oui. Puis ici, quand on clique sur les trois petits points au bout, bien, normalement, vous devriez l'avoir là, c'est parce que je suis en mode juste de démonstration. Vous allez avoir nommé. Puis là, vous cliquez dessus, il va l'appeler A. Parce que là, il y a un autre calcul à faire. Est-ce que vous savez quel autre calcul qu'il va avoir à faire? Si je reviens à l'énoncé du problème au début. Moi, ce qu'on a trouvé, le 85, qu'est-ce que c'est? Calcule la vitesse, la distance par rapport à sa vitesse. C'est ça. Pour trouver le temps. Allez voir s'il y en a qui sont rendus là. Bianca, est-ce que tu es arrivée à faire le graphique? Je suis comme bloquée avec le crayon du départ. Là. Je suis comme pas capable de passer à une autre fenêtre et de choisir mes outils. Mon crayon reste enfoncé. OK, il faut peut-être cliquer sur « Sélectionner ». OK, je remonte en haut. Parfait. Fait que là, moi, au fur et à mesure, je peux aller voir les élèves où ils en sont rendus. C'est certain que quand vous êtes à distance, vous n'avez généralement pas toute la classe qui fait le même problème en même temps. C'est plus un à un. Donc, on peut vraiment plus accompagner l'élève dans chacune de ces étapes. Quand vous voulez écrire, c'est ça, dans la fenêtre ici, si vous êtes avec le crayon, à ce moment-là, on prend « Sélectionner ». N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, vous dites, moi, je suis coincée, je suis tel élève. Je
peux afficher les noms si vous voulez pour que je puisse vous retrouver. On a Annie Richard qui dit que sa calculatrice a disparu. OK. OK. J'allais voir. Annie. OK. Avec un Y, oui. D'accord. Pour aller chercher la calculatrice, on appuie sur le trombone. Puis, je crois que j'ai mis calcul formel. En cliquant calcul formel, elle va arriver. Puis, avec les petits points de chaque côté, on peut réduire. Je pourrais réduire aussi comme ça. C'est souvent qu'on la met trop petite à l'affiche comme sur un cellulaire. Il faut cliquer dedans pour faire apparaître le champ de saisie. On peut descendre, les outils ici. Puis dans le champ de saisie, à ce moment-là, on peut... Oups, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire apparaître... Parce qu'il y a Grass PebbleMap, ceux qui veulent travailler avec Grass PebbleMap, vous pouvez travailler avec aussi. Si vous préférez utiliser Grass PebbleMap. Ça, je peux... Est-ce que ça va, Annie? Tout le monde est concentré oui. À faire la tâche. On a retrouvé le, on a retrouvé le voleur, c'est bon. Bon. Au début, quand j'ai testé la fenêtre, le cadre bleu avec le texte, au début, je ne l'avais pas bloqué. Il y a quelqu'un qui l'a testé puis qui a mis l'efface dessus. Le texte est parti. Je l'ai écrit en haut, mais en fait, là, je l'ai bloqué. On ne peut plus l'effacer. Je vais changer de fenêtre. Je vais montrer... pour pouvoir montrer comment faire les calculs ici. Donc, au début, on avait dit qu'il fallait trouver X. Donc, le X, là, je vais refaire le dessin ici. Vite fait, comme ça, mon triangle. J'avais ici 50. Ah, j'écris mal. Puis j'avais ici 55. Donc, on avait dit, on cherchait le X ici. Donc, ça va être le cos de 50. Ben, ça va être 55 divisé par le cos de 50. Le symbole pour le degré est dans le deuxième clavier, le clavier FX. Là, je vous avais dit qu'on pouvait nommer le calcul parce qu'on va avoir besoin de cette réponse-là pour faire un autre calcul. Le deuxième calcul qu'on avait à faire, qu'est-ce que c'est? Une note 85.56 divisé par 1.52 km pour une heure. Oui. Ici, on sait qu'il va à 15 nœuds. Il faut transformer avant peut-être notre vitesse en km/h à 15 nœuds. OK. Là, je mets côté. Là. Ça, c'est parce que des nœuds, ça s'écrit côté. On pourrait écrire nœuds, évidemment. Donc, 15 nœuds, c'est combien de km/h? Donc, il faut le calculer là, ici. Quel calcul va falloir faire? Donc, on sait qu'un nœud, j'ai fait un barbeau, hein, c'est 1.852. Donc, on met ça. Voilà. Donc, mon deuxième calcul que je vais avoir ici, à faire ici, ça va être 15 fois 1.852, que je vais mettre encore comme ça ici. Donc, ça, c'est sa vitesse, 27.78 km/h, que je vais nommer. Donc, il va s'appeler B. Donc, qu'est-ce qu'il va me rester à faire comme calcul? Si j'ai 85.56 km à parcourir. Donc, on va diviser par la vitesse en kilomètres. C'est ça. Ça, c'est des kilomètres. Puis, je vais à... c'est 27.
78 km/h. Pas pire avec la souris, hein? Donc, je vais diviser. Puis là, je ne vais pas réécrire 85, je vais juste faire A divisé par B. D'où l'intérêt de nommer. Est-ce qu'il y en a qui étaient déjà arrivés à la réponse? Je n'ai pas de tâche 4 nulle part. Je pense que la réponse est dans la tâche 4. Je vais accélérer un petit peu. En tout cas, j'ai fait juste le tour vite fait. Là. C'est sûr que vous aviez à vous approprier l'outil et vous aviez à, en même temps, résoudre un problème. Il y a l'élève 10 qui vient d'arriver avec la réponse. Qui a écrit, on voit que l'élève 10 n'a pas utilisé la calculatrice ici, a fait les calculs peut-être avec une calculatrice à côté, il n'y a pas de problème. Mais on voit quand même toute la démarche ici, non? Toute la démarche est bien faite. Ça, c'est quelqu'un de très structuré qui m'a fait ça. Donc, l'enseignant, il peut vraiment voir ici la démarche. Ça, ça serait, si Catherine est d'accord avec moi, le critère 2.2, qu'on voit la démarche. Puis, en même temps, on peut voir le critère 2.3. Puis, on peut voir si les calculs sont corrects, surtout qu'en voyant la réponse ici. Donc, c'était dans l'idée de vous dire qu'on peut utiliser... à distance, un outil de collecte de traces. Je vais arrêter ici. Je m'excuse, Madame Roy, je n'ai pas été de grande utilité. J'ai eu d'autres choses. Excusez-moi, tout le monde. Non, non, vous n'avez pas à vous excuser parce que le but, ce n'était pas de voir si vous arriviez à la bonne réponse, c'était de voir comment on peut structurer une activité à distance qui permet de conserver les traces. L'activité, j'ai pensé mes fenêtres en fonction des types de traces que je voulais garder dans chacune des fenêtres parce que je les ai placées en fonction des critères d'évaluation et des manifestations. Donc, je me suis dit, de quelle façon je pourrais collecter les traces pour les manifestations du critère 1.1, le 1.2, le 2.2. C'est comme ça que je l'ai pensé. Puis, si vous voulez travailler de cette façon-là avec cet outil-là, je peux faire des formations là-dessus aussi. Il n'y a pas de problème là, pour donner des formations. Puis il y a des tutoriels comment travailler avec l'outil. Mais c'était juste dans l'idée là, de voir comment on peut distinguer tout ça. Merci beaucoup, Louise. Ben, en fait, moi, je suis assez surpris de l'outil vraiment global, là, comme Richard disait, de pouvoir être plusieurs en visio. Moi, je trouverais ça très intéressant. Si jamais, admettons, 3, 4, 5 élèves à peu près au même niveau, à distance, de les prendre, de faire un exercice en ligne, de pouvoir le gérer. J'aime bien le tableau de bord. Il est vraiment facile à gérer, le tableau de bord. Tu as tes élèves. En tout cas, bref. J'ai pour le visuel global puis le suivi global avec quelques élèves, je trouve ça vraiment intéressant. Bon, c'est sûr que l'idée de la souris, mais moi, quand je joue avec GeoGebra, souvent, je le fais sur une tablette ou sur mon Chromebook. J'aime bien avec le Chromebook, fait que j'aimerais ça l'essayer sur le Chromebook, voir si c'est plus facile à utiliser le stylet pour pouvoir faire la démarche. Fait que, sois pas surprise si dans quelques jours, tu vois apparaître une nouvelle solution d'un élève X. Ça va être moi qui va l'expérimenter sur mon Chromebook. Merci beaucoup, Louis. Oui, puis j'ai mis dans les commentaires, là, puis ça fait quelques fois qu'on a cette problématique-là. Il y a certaines applications qui permettent d'utiliser le téléphone ou une tablette comme une tablette graphique ou comme, disons, pour pouvoir dessiner au lieu d'utiliser la souris là, qui va très mal pour dessiner. Là. Personnellement, je n'en ai pas testé, mais quand on fait une recherche, on en voit quelques-uns. Donc, Mélanie me demande, pouvez-vous en nommer quelques-unes? Je serais mal placé pour vous en nommer. Je vois qu'il y a des choses qui permettent de le faire, mais je ne l'ai jamais testé. Fait que si vous le testez, là, on utilise Google. Là. Recherche en anglais va toujours mieux qu'en français. Là. C'est toujours aussi de voir si les élèves ont les moyens de s'acheter ça. Là. Si c'est pour que c'est les gratuit, élèves utilisent à la maison. Les applications gratuites. Oui, les applications, oui, mais s'il faut qu'il y ait une tablette avec stylet,
c'est quand même... Ou au téléphone. C'est assez cher. Hein. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Voir, puis, en tout cas, moi, j'ai vu... moi, je me suis fait vraiment avoir là, l'an passé. Quand les cours ont commencé en ligne, les gars avaient des vieilles tablettes Apple. Fait que je les ai renouvelées. Je me suis dit, bah, c'est un bon temps, mais ils ont renouvelé. Finalement, pour savoir que quelques mois plus tard... les enseignants n'utilisaient pas ça et que l'école nous ont tout écrit pour nous dire on va utiliser les Chromebooks, si vous n'en avez pas, ben, l'école est prête à en prêter. Fait que finalement, j'ai racheté des Chromebooks cet automne. Bref, je suis bien content, les Chromebooks fonctionnent très bien. Les enfants sont contents, ils ont de la technologie par-dessus la tête. OK, bien écoutez, merci, je pense qu'il n'y a plus d'autres commentaires. Merci beaucoup. Merci. Un gros merci à Catherine. Un gros merci à Louise. Encore une fois, Louise, riche en découvertes techno. Je trouve ça de plus en plus intéressant, les interventions technologiques de Louise. Personnellement, je vois vraiment l'apport pédagogique direct de l'utilisation de la technologie. Je le vois bien, c'est clair, c'est explicite. Je sais ce que je ferais avec mon élève avec cette technologie-là. C'est pas la première fois. Tu as fait une belle démonstration avec Graspable, là, avec GeoGebra, puis le volet, la gestion de classe. Très bons outils. Je suis assez d'accord avec toi pour dire que ça prendrait possiblement l'an prochain, là, on pourrait peut-être... planifier des formations complètes pour découvrir et aller de l'avant avec l'outil en partant de problèmes mathématiques variés, genre en algèbre, en géométrie, en statistique, pour essayer de brosser un portrait d'ensemble. Mais je pense qu'au-delà du petit 45 minutes que tu prends, ce serait intéressant si on pouvait t'avoir pour une belle formation de 3 heures. Je pense que tout le monde serait content, tout le monde serait, en tout cas ceux qui participent beaucoup aux formations nationales, d'avoir cette richesse-là. Puis, parce que on le voit que tu maîtrises ces outils-là sur le bout des doigts. Puis je pense que si tu avais toute la latitude pour nous offrir une belle séance de formation, je pense qu'on sortirait tous grandis de ça. Donc, je ne veux pas te mettre de pression, Louise, mais... ce serait intéressant si on pouvait te mettre au calendrier l'an prochain. Merci. Je pense que ce sont des outils à mettre entre les mains des élèves aussi. Oh oui, tout à fait. Mais pour être capable de bien les vendre, d'être capable de bien les maîtriser pour ensuite de ça, bien le vendre à l'élève, je pense que ça va être facile. Moi, je joue de la guitare depuis que je suis jeune, puis quand je donne des cours à des amis ou aux amis de mes enfants, ils trouvent ça facile. Ils trouvent ça facile parce que je maîtrise bien l'instrument. Mais je pense que c'est un peu la même chose avec GeoGebra. Si je le maîtrise bien, ça va être facile de le vendre à mes élèves. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Encore une fois, belle participation. J'aime bien cette formule-là. J'aime la formule du partage, des échanges. Et on se revoit dans moins d'un mois ou dans un mois précisément, en mars. Je pense que c'est la prochaine formation est autour du 18 ou du 19 mars avec Marc-André. Et on va essayer, peut-être même l'an prochain, on va essayer d'en avoir de façon plus fréquente de ces rencontres, parce que je me rends compte à quel point ces échanges-là sont riches. Au plaisir de vous voir. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions concernant les activités, concernant le PowerPoint ou concernant les collaborations, vous avez envie d'expérimenter ou faire des choses, écrivez-moi, je peux vous mettre en relation ou je suis prêt, moi aussi, à collaborer avec vous sur différents projets. Il y a toujours de l'ouverture. Alors, bonne fin de journée à tous!